Du coup, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, je me suis fait tout beau aujourd'hui pour vous. Vous avez vu ? J'ai un nouveau t-shirt. J'ai une nouvelle coupe. Un nouveau rasage. Le son, yes ! Comment ça, le son ? Comment ça ? Attends, pourquoi vous avez dit le son ? Ah ! J'ai eu peur. Merci Mimox pour le 8e mois. Merci beaucoup pour le resub. Merci Gotham qui fête ses 2 ans sur Adjust TV. Merci beaucoup. Les 2 ans pour l'annonce. Et Adjust tout beau. Yes, je me suis fait tout beau aujourd'hui pour vous. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui changent. Ok ? Beaucoup de choses qui changent aujourd'hui. Donc, je me tenais d'être beau et de commencer une nouvelle année sur Adjust TV. On est tous d'accord, de toute façon. On est tous d'accord. Donc voilà, il fallait une nouvelle coupe. Hein ? Très content de cette nouvelle coupe. Un nouveau rasage, une nouvelle personnalité. Nouvelle Juice TV. Que dire de plus ? Est-ce que vous allez bien ? Est-ce que vous allez bien aujourd'hui ? Bon, c'est pas genre le truc de l'année. Hein. Enfin. Disons que je vais pas devenir joueur pro ou j'ai gagné au loto. Ok ? Tu vas te graffer la voix de Fusio. Ouais, je sais, ouais. Non mais là on a tout rangé, enfin on a fait un beau taf hier après-midi avec DRK, là on a tout réglé, la table de mixage et ce genre de trucs, donc les lives le soir, vous inquiétez pas, ça c'était prévu de toute façon, ça c'est vous inquiétez pas, ça c'est prévu, c'est juste que depuis 2 semaines ma copine cravache ses études pour ses examens, donc quand je serai un peu plus dispo le soir, je referai des lives. Non, je m'achète pas de villa, y a pas de ça, c'est un truc pour vous en fait. C'est surtout un truc pour vous. Et moi aussi, parce que ça me fait plaisir. Donc voilà, c'est vraiment un petit truc pépère qu'on a décidé de mettre à jour. Quoi. On va vivre dans... Oui, je vous invite tous à vivre chez moi, du coup. Voilà, c'était l'annonce d'aujourd'hui. Donc voilà, quoi. C'est un plaisir. Mise en place de Just TV House. Ouah! Ouais, les gens qui ronflent sont interdits. Hein. Interdits. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc oui, aujourd'hui, petite annonce. Ensuite, on ira faire du jeu vidéo. On a un peu mis de côté les FPS actuellement, donc on ira probablement refaire un petit peu de FPS. Je pense genre Overwatch, Battlefield. Ce genre de jeu-là. Je pourrais demander aux arrêteurs au moins prêter sa villa pour l'occasion. Non, il veut pas. Hein. Bah, de toute façon, vous savez, avec Zera, on se parle plus. C'est faux, c'est juste que là, actuellement... Normalement, par exemple, hier, hein, je devais faire du anno, mais impossibilité de faire du anno hier. J'avais ma belle-mère à la maison. Donc voilà. Yes. Merci Nanaki. Tournoi Destiny 2. Quoi ? Ah, c'est pas un moment que je vais pas jouer à Destiny 2 en vrai. Hein. J'y ai pensé à un moment. Merci pour le tier 3 en tout cas, Nanaki. Et merci beaucoup pour le 29e mois sur Adjust TV. Donc écoutez, je pense qu'on va pas trop tarder. Je vais vous faire découvrir un petit peu tout ça. Bonjour Kitsu. Bonjour. Et ensuite, on continuera à discuter et on ira faire du jeu vidéo. Hein, parce que Twitch, c'est surtout du jeu vidéo. Mais vous inquiétez pas, je pense qu'il y aura un gros truc organisé. Enfin, je n'en ai pas encore parlé parce qu'il est encore sur The Witcher 3. Mais pour la découverte de Iceborne, je pense qu'on va essayer de faire un truc. Oui, je pense qu'ils sont prêts là, non ? Vous êtes, le chat, vous êtes prêts à découvrir ce qu'on vous a concocté ? Merci Number pour le 4e mois, merci beaucoup. Et promis, peut-être un spoil dans l'année. Voilà, peut-être un spoil dans l'année en plus de ça. On va voir. Voilà. On verra bien. On va dire de l'annonce sur YouTube. Ça va, vous inquiétez pas. Oui, mais vous allez voir. Vous allez vite comprendre. Alors, je voulais choisir une musique assez épique pour ce que je vais vous annoncer.
Mais en fait, tout est assez épique comme musique que j'adore. Mais vous savez qu'on joue à un jeu assez souvent sur lequel j'aime beaucoup y jouer. Donc j'ai préféré mettre ça comme musique de présentation. Enfin, de présentation pour montrer un petit peu ce que c'est, ok? Non, vous allez voir, en vrai c'est cool. En vrai c'est cool. En vrai c'est cool, vous allez voir. Mais juste tout en place pour que tout marche bien, qu'il n'y ait pas de fausses notes. Hop. Vous êtes prêts? Bon, la musique, vous la connaissez tous. Hein. Elle y est beaucoup sur Adjust TV. C'est parti. Dans 3, 2, 1. Bonne année 2020. Bah yes. C'est beau hein. Super DRK. Ta 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 ta. Alors voilà. 2020 du coup. 2020, ça donne ça. Et regardez. 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 Tout marche nickel. C'est parfait. Et en plus, ça, c'est pour bien charrier les copains. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est grave beau, non? C'est de la bombe. C'est de la bombe. Non, c'est pas la mauvaise équipe, hein. C'est pas du tout la mauvaise équipe, hein. J'y crois, en vrai. Hein. J'y crois. Il y a peut-être moyen d'aller au Super Bowl, en vrai. Hein. Aïe, aïe, aïe. Il y a peut-être moyen d'aller au Super Bowl. Bon, vous en pensez quoi? Bon, vous avez pas vu les autres scènes, hein. On va vous les montrer tranquille. Il y en a que vous verrez par la suite, en plus de ça. C'est beau, hein. Vous avez vu la petite pitch en haut, là? Ouais, le logo est vraiment chouette. Le logo est vraiment chouette. Donc, en vrai... comme vous pouvez le remarquer, la gueule du logo commence à avoir une tournure assez, assez marketing. Voilà. Donc, je pense que si vous voyez Juice ou que vous voyez Peach avec cette casquette jaune, vous savez où vous dirigez. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ou pas? Vous voyez un peu ou pas? Donc... Je vois que vous floudez Shop. Il n'y a pas ce genre de nouveauté actuellement, je vous le dis. Mais voilà. Cette année, je pense qu'on va essayer de se donner à fond et on va se donner un maximum pour qu'il y ait, dans le futur, un Shop d'Adjust TV. Je pense que DRK est bien d'accord avec moi. Je pense qu'on est sur des bases où on peut essayer de lancer quelque chose, donc on verra par la suite. Mais c'est l'objectif. L'objectif de cette année, c'est essayer de se donner un maximum. Je vais essayer de me donner encore plus que l'année précédente et d'essayer de développer quelque chose pour vous. Voilà. Il n'y a pas de photo, c'est pas Guiz. Non, c'est Juice, là. Donc voilà. Je suis très content. Je suis très content de tout ça. Franchement, c'est de la bombe. Je trouve que ça fait vraiment pro et ça me fait du bien. Donc voilà. Donc, je vous spoil pas, mais oui, les amis, il y aura probablement quelque chose qui va arriver pour ça. donc voilà, niveau... on s'est mis toute la journée. Alors, merci encore à Shuki, hein, Shuki qui a fait tout le taf, et DRK qui a arrangé certaines choses par rapport à ce que je voulais. Donc, j'espère que ça vous plaît en tout cas. Moi, franchement, j'étais. C'était dur de garder l'info. Du coup, je l'ai montré à mon frère, à ma copine. Je l'ai envoyé à des potes. Je l'ai envoyé à tout le monde. Et à part à vous, en fait. Donc voilà. Merci, Grizzly, en tout cas, pour le recevoir le 21e mois.
Propre de ouf, nice la casquette. Ouais, de dingue, hein, elle est arrivée au bon moment en plus. Nascabra, merci beaucoup pour ton receve et ton troisième mois. Alors du coup, pour ceux qui viennent d'arriver, l'annonce est juste une refonte énormissime de la Juice TV au niveau du Twitch. Hein. Donc on est passé sur un logo de ce style-là et on est passé sur quelque chose de beaucoup plus, pour moi, assez pro. Et que, parce que on était quand même sur... un portfolio, on va dire, MDR, quelque chose qu'on avait depuis quasiment 2 ans, donc ça me fait du bien aussi de se rafraîchir un petit peu. Et puis voilà, j'espère que ça vous fait plaisir, parce que c'est aussi pour vous, hein, c'est votre visuel à vous, donc voilà quoi. Merci beaucoup pour la boutique, merci à toi, merci pour la donation. Oui, donc voilà, probablement la boutique qui verra le jour, un de ces quatre. Ça sera pour une autre annonce et ça sera pour autre chose. On verra. On verra si vous le méritez. Juste l'annonce de la Gaming House. Yes, yes, la Gaming House. Sans toi, du coup, chien. C'est tellement beau, mon Dieu. Merci beaucoup, c'est très gentil. Donc voilà, c'était vraiment une petite annonce. Hein. C'est plutôt une annonce visuelle au niveau de la Juice TV et par rapport à vous, parce que vous nous regardez tous les jours, hein, 6 jours sur 7, les après-midi. Donc ça me fait aussi plaisir de vous montrer quelque chose de nouveau. Donc voilà. Oui, voilà, je suis pas là pour barre l'eau des pattes, quoi, c'est sûr. Dernier dent qui se met pas à jour. Yes, ça, c'est parce que on n'a pas pu CFG ça, mais ça va se mettre tout seul, regardez. Insane, en fait. Vous voyez, ça va arriver. Donc voilà, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que du coup, on a des scènes qu'on manquait avant. Et du coup, je trouve que c'est assez complet maintenant et qu'on va pouvoir donner un peu plus de qualité par rapport à ça. Et comme ça, ça se... Même sur YouTube, ça sera grave beau en vrai. Manque plus que Bercy, t'es un vrai streamer. Non, c'est mort ça, moi je... Voilà, j'ai assez en chien. Yes, c'est bon, merci pour le resub. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci, merci. Le conquérant, je s'appelle Juice. Merci pour le resub et le sixième mois. Merci Kezaku pour les 1 an sur la Juice TV. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chouchou, go sub pour le train. Ah oui, il y a le train qui commence à partir. Le train est parti là. H2O qui offre 5 subgifts, merci beaucoup, le train, le chouchou, tous ces Bercy du calme, chouchou, merci Néo, ah là là, vous êtes trop sympa, vous êtes mis encore d'accord ou quoi? Vous êtes mis d'accord pour l'annonce, merci Néo pour les 10 subgifts, c'est très gentil, s'il vous plaît, on peut lâcher un max de cœur et de subs sur le chat pour ces gens dévoués à la Juice TV qui aident énormément le concept et tout simplement me font vivre. Hein. Vous me faites tous vivre en fait. Hein. Je vis grâce à vous, donc merci beaucoup. Merci Hype pour les 5 subgifts. Cette hype, c'est énorme. Non mais je suis très content, j'étais un peu stressé et tout parce que j'avais peur que les gens se croient un truc de ouf. Mais en vrai, ça pour moi c'est ouf en fait. Donc voilà. Donc voilà. Merci Coco pour l'abonnement. Bienvenue à toi sur la Juice TV. Merci Ecops, merci pour le 21e mois, très belle refonte. Merci, voilà, c'était une refonte. L'annonce était une refonte complète hein, du Twitch. J'avais un peu peur que les mecs disent c'est tout, what the fuck. Et en fait, vous savez comment je suis pas du genre à essayer de faire venir les gens, mais j'avais envie que les viewers sachent ce qu'il se passe. Merci Bastien pour les 5 subgifts, merci Lombi pour les 5 subgifts. Merci, merci pour votre générosité. Niveau 3 du train, chouchou. Faut changer de snap aussi du coup. Ouais, mais ça on s'en occupe plus tard. Non mais voilà. Enfin, ça me fait plaisir en vrai. Ça me fait grave plaisir. Donc voilà, je suis très content. Donc c'était la petite annonce qui refonte un petit peu le Twitch game. Donc vous avez vu, il y a plein de trucs ici. Hein. Regardez, les trucs animés, c'est insane. Il y a plein de choses qui vont changer par la suite. Hein. On va avoir. Vous avez vu ce super effet néon là? Regardez, attendez, ça arrive. Voilà, celui-là, là. Ça, on va en mettre partout, ça. On va en mettre en contour de ma tête, on va en mettre en contour de chat, on va en mettre en contour de partout. Ça va être de la bombe. Ça fait un peu Jackie Eddy, quoi. Mais yes, c'est grave bien. En vrai, je suis très content de ce que Chouki a fait. Merci à Truxis pour les 600 bits. Merci beaucoup. Oh. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, vous faites avancer le train, du coup, là. Merci beaucoup, H2. H2 qui redonne 5 subgifts, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci, niveau 4 terminé. On va bientôt finir le jeu. Contour de la tête. Donc voilà, on en est sur ça, donc je suis assez content. Voilà, vraiment assez fier en fait. Parce que ça faisait 2 ans qu'on était sur la même chose
Et en vrai, ça prend tout un autre aspect, et c'est ça qui est bien. Et je trouve que je suis assez beau aujourd'hui. En vrai, aujourd'hui, je suis assez beau. Voilà. Je tiens à le dire. Des fois, je me trouve bien dégueu. Je trouve qu'aujourd'hui, on est assez beau, quoi. Voilà. Je pense qu'on a fait le bon choix. Refonte de Twitch, habillage IRL de la Juice TV, en plus de ça. Donc, je trouve qu'on est beau aujourd'hui. Après, bon, on est beau grâce à vous aussi. Voilà. Ça va, vous en pensez quoi? Vous aimiez le chat? Je vous regarde, hein. Là, maintenant, regardez, je peux même aller vite fait ici, dire, bah tiens, quelqu'un a mis des RK, donc comme ça, je peux vérifier ce que vous faites. On a essayé d'agrandir un petit peu la cam, bon, c'est un peu le bordel, hein. Désolé, c'est un petit studio, hein. c'est une petite chambre, donc c'est... pour le moment, pour les lumières, on verra, après peut-être on fera une sorte de contour de lumière pour qu'il n'y ait jamais de problème, pour qu'il y ait voilà, ces ombres hein, sur le fond vert. Et voilà, tant que vous trouvez ça stylé, on a tout gagné de notre côté. Alors, pour ceux qui mettent 49ers sur le chat, sachez que c'est ban, déjà. Donc, on verra bien. De toute façon, vous savez que le Super Bowl approche à très grands pas. Et dans les jours qui arrivent, il y a deux gros matchs. Il y a les Chiefs contre les Titans et il y a les Green Bay Packers contre les 49ers de San Francisco. Ces matchs-là désigneront qui ira au Super Bowl. Donc ça va être de la bombe. Ça va être de la bombe. Donc, de notre côté, je pense que c'est déjà une finale parce que San Francisco est à 14-3, donc 14 victoires pour 3 défaites. Et Green Bay aussi. Et Green Bay reviennent de loin parce qu'ils ont fait 2 saisons ou 3 saisons vraiment nulles à chier. Donc, ça va être un gros match. Ça va être un gros match, on verra bien. Ouais, on fera sûrement une soirée Discord, hein, surtout pour Green Bay. Hein. Surtout pour Green Bay, comme la dernière fois. Et peut-être même pour le Super Bowl. Mais voilà, il y a des trucs de prévu. Espérez juste avec moi que bah, tout simplement Green Bay gagne et puis voilà. Oui, je me gratte derrière le cou, c'est pas pour vous montrer cet énorme muscle qui est là. Hein. En vrai, je fais pas de sport, donc il n'y a pas vraiment de muscle. Mais voilà. Donc, merci beaucoup en tout cas pour le train de la hype. On est à niveau 5 à 30%, vous êtes juste insane. Donc merci beaucoup Ars pour le resub et le 8e mois. Et merci beaucoup aux généreux donateurs, sub-gifteurs, hein, bien entendu. Parce que je pensais que tu allais annoncer que tu irais au Super Bowl. Putain, ça serait insane, ouais. Mais c'est trop cher et c'est trop loin. Alors demain, 21h, Chiefs Titans. Ouais, ouais, ouais. Et vous avez vu, j'ai vu que pour le Super Bowl, je crois que c'est une première, c'est rediffusé sur TF1 en direct à 23h55, je crois, quelque chose du genre. Je crois que c'est une première fois, j'avais jamais vu de Super Bowl sur TF1. Je sais plus exactement. Je crois que c'était WNF ou TMC, mais j'avais jamais vu sur TF1. C'était M6. Merci beaucoup. Merci Alec. Alexander qui donne. Tu mérites tout ce que t'arrives. T'es le best. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci pour les donations. Les derniers dons, ouais, se mettent pas à jour, je crois. Donc, on va essayer de régler ça aussi. Toshi, merci beaucoup pour les 2 ans. Bordel, 24 mois. Et bah, décidément, je dois t'aimer très fort. Hein. Je vais me voir quand en menton. Je viendrai jamais te voir en menton, Toshi, mais merci beaucoup pour les 2 ans. Eh, hey, c'est dur de se déplacer. Donc regardez, je vous montre vite fait le reste. Ok. Donc, enfin une scène, les amis, qui va nous permettre... Regardez, vous avez vu cette transition ou pas? Vous avez vu cette transition? Regardez-moi ça. C'est pas beau, ça? C'est pas beau, ça? Incroyable. Oh! Oui, je pense qu'on peut tous s'applaudir. Là, ouais, le chat est sur ma gueule, c'est normal. C'est normal parce que bah du coup on a des trucs à régler. Voilà, du coup on en profite. Hein. Voilà, regardez-moi ça. Regardez. Regardez, vous êtes là. Une scène qui n'existait pas avant sur Adjust TV parce que c'était trop le bordel. Hein. Donc Ah yes, super. Merci Morphalus. Ah là là, Morphalus qui donne aussi 5 subgifts. Merci beaucoup. Le train s'est arrêté. Bravo. Bravo. Bah yes, pourquoi tu... Yes. Bon bah écoutez, DRK a choisi de me mettre là pour cacher les autres. Donc essayez de vite monter pour que je vois ces messages-là.
Ils disent ok, sinon je vais baisser ma tête. De toute façon, on voit plus que je suis chauve. Parce qu'en fait, je suis pas chauve. En tout cas, hier, les coiffeurs se sont bien foutus de ma gueule. Parce que mon coiffeur, du coup, s'appelle Mouloud. Ok. Et genre, il me voit arriver, il me fait putain, ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Et je lui fais bah, ça doit faire quoi, 3-4 mois. Et il me regarde, il me fait t'es en tôle ou quoi. Genre, son pote rigole, j'étais en mode presque en vrai, hein, j'étais presque en tôle. Il me fait le rouge là sur les cheveux, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et du coup, je voulais pas dire, bah écoute, j'ai fait ça parce que. On a fait un event et on a gagné plein d'argent. Sinon, j'allais me faire raqueter en plein coiffeur, donc ça aurait été horrible. Merci, petite mèche, pour les 5 subgifts, merci beaucoup. Merci, Morphalus, des bisous à vous deux. Merci beaucoup. Et du coup, ça m'a fait rire. Et en fait, j'ai passé l'après-midi avec DRK pour configurer tout ça. Donc, vous avez vu, hein, regardez. Regardez la bannière, la nouvelle bannière. Pas les choses à moitié. Hein. Pas les choses à moitié, donc. Donc, c'est parfait. Pas de la bombe. Franchement, on ne vous gâte pas, là. Bon, même moi, je suis gâté. C'est un peu mes cadeaux de Noël, ça. Hein. Sachez-le, hein. J'ai pas vraiment eu de cadeau de Noël. Mais ça, c'est quand même de la bombe. Ah là là, j'ai tout raté. J'étais en cours. C'est important, les cours. Surtout quand tu arrives à y arriver, quand il n'y a pas de bus. Ça, c'est vraiment important. Donc, hop, je vais juste regarder pour... Franchement, du coup, ici, là, sur la fin des lives, on pourra regarder des replays de la Juice TV par rapport à ce qui s'est passé. Ok, s'il y a des trucs cons et tout ça. On pourra même regarder des vidéos que vous m'envoyez. Hein, par exemple, Alpha qui dit que peut-être un jour il va jouer à Iceborne. Par exemple, on pourra regarder ici. On pourra regarder plein de trucs. C'est une scène qu'on n'avait pas du tout, donc c'est trop bien d'en avoir une maintenant. Et ça, c'est de la bombe. Vous savez, on se prenait toujours la tête et j'étais toujours en mode « Oh, ça fait chier, vous n'allez pas pouvoir voir la scène. » Oui, le logo Discord, bien entendu, tout va changer. Hein. Tout va changer. Tout va changer. Tout va changer. Je pourrais faire du React. Bah oui, clairement. Bah c'est une chaîne effet exprès, en fait. La nouvelle, c'est aussi que je vais faire du React. Je vais lancer des trucs qui sont pas pour moi. Et je vais essayer de faire des vues dessus. Hein, et essayer d'être le plus drôle possible. Parce qu'en plus, le truc, c'est que ça marcherait bien. Parce que vu que je suis une personne tout public, si un mec, on regarde une émission et qu'un mec dit caca, pipi et prout, bah je vais exploser de rire. Et du coup, ça fera des vues. Un peu comme tout le monde. Ça marche comme ça maintenant Twitch, de toute façon. Et on peut voir énormément de streamers qui se sont élevés au rang de roi hein, grâce à ça. Donc, je pense qu'on va s'y mettre aussi. Donc, on verra ça. On fera probablement des live react parce que c'est de la bombe. Tout simplement. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on va aller se faire un petit peu de FPS. Pourquoi ? Parce que ça fait un moment. Ok. Ah oui, le dernier don, c'est juste parce que c'est le plus gros don hein, actuellement. C'est vrai que, du coup... Il n'y avait pas un truc de donation par rapport à... Je me souviens plus. En fait, j'ai déjà oublié mon dernier truc. Donc voilà. React Pizza Industrial, yes. Ouais, par exemple. On regarde des lives de cuisine et puis voilà quoi. De toute façon, ça marche comme ça maintenant. Donc, ok. Ah, je suis content. Je suis content que ça vous plaise. C'est de la bombe. Salut Authentic. T'inquiète, l'annonce était juste une refonte complète de la Juice TV sur Twitch et du logo surtout. Hein, si tu peux voir le logo qui a changé, hein, tu le vois là, tu le vois là-haut. On a rajouté la petite pitch dessus avec la casquette jaune. Comme ça, sur un futur peut-être proche, je ne sais pas, on verra en fonction de si vous le méritez ou pas. Ok. Donc la boutique qui pourrait voir le jour. Hein. Et ce qui est bien, c'est que. En fait, moi, il y a un problème. Ben, on va en parler. Voilà, on va en parler ensemble. En fait, il y a un problème. Vous savez, moi, je suis quelqu'un, j'aime pas trop afficher mon logo. Enfin, j'aime pas afficher mon nom sur les gens. Que ça soit comme, vous le savez, pour les guildes, ce genre de truc. J'aime pas mettre Juice, Guild. Enfin, vous savez, vous voyez ce que je veux dire ou pas? En fait, je me dis que les gens aiment peut-être pas avoir Juice sur leur gueule parce que, ben. Parce que c'est un peu spot, vous voyez. Genre, ça fait un peu genre fanfic. Donc, je suis en mode. Avoir rajouté Peach, parce que déjà elle est super belle, et là elle, actuellement, vous inquiétez pas, elle est en train de dormir, elle suit même pas l'annonce, elle s'en fout complètement. Je me suis dit que peut-être aussi pour les gens qui voudraient pas se faire remarquer, parce qu'il y en a qui se feraient juger, je me dis que le petit chat avec la casquette, ça pourrait passer vraiment crème, comme aussi logo en mode un peu en mode. Il y a que les gens de la Juice TV qui sauraient que c'est ça, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je pense un peu à ça, vous voyez.
Genre, à la place d'avoir un énorme juice en pleine poitrine comme tout le monde, je me suis dit, il y a peut-être des gens qui aiment bien, mais qui voudraient pas avoir genre juice sur la pleine gueule, mais qui aiment les chats, vous voyez ce que je veux dire? Et je suis en mode, un petit chat avec une casquette, si le mec croise quelqu'un qui, bah, qui connaît la Juice TV, il saura que voilà, c'est un viveur. Et du coup, c'est plus sympa ça qu'un mec qui spot quelqu'un dans un métro en mode MDR, il a un t-shirt avec un énorme juice derrière. Ouais, est-ce que je pense à vous, en fait. Je pense pas à l'argent. Je pense à vous et à votre bien-être dans la vraie vie. Et je trouve que c'est grave stylé. Chouki, franchement, il a géré de ouf. Et je trouve qu'en plus de ça, ben, c'est aussi Peach hein, qui a marqué énormément cette année avec son arrivée cet été et qui a beaucoup changé aussi... mon comportement et qui voilà, ça me fait plaisir. En vrai, ça me fait trop plaisir qu'elle fasse partie du truc. Donc voilà. Bon, on va peut-être essayer de changer cette emote hein, de Juice Peach. En fait, on dit là en fait, elle est censée être mignonne. Elle est censée être mignonne. Moi, je la trouve mignonne parce que mais il semblerait que pour certains, elle fasse peur. Juste date de naissance de Peach. Voyez avec guitare. Alors du coup, mais ça me fait plaisir, voilà. Bon, mais tant mieux que les gens kiffent. 11 avril. Tant mieux que les gens kiffent. Ça me fait plaisir. Je l'ai dit souvent, mais vous savez, ici, c'est la TV du plaisir. Hein, donc voilà. Petite mèche, merci encore hein, pour les 5 subs gift. Merci beaucoup, les amis, pour vos beaux subs. Tu ne penses pas à l'argent, mais nous, on y pense pour toi. Bah, c'est très gentil. Merci, H2. H2 qui redonne 30 euros, mais quel plaisir. Merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup pour votre générosité. Ça fait grave plaisir. Je suis content, ça fait plaisir de ouf. Bon, et pour la fin du live, bah vous verrez à la fin. Donc voilà, hein. Je vous spoil pas la fin du live parce que les gens qui n'ont pas de son sur les streams vont être là en mode, il a déjà fini son live, c'était juste pour l'annonce. Donc non, on va aller jouer à des jeux vidéo, on va aller jouer un petit peu de FPS. Ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait sur la Just TV parce qu'on s'est concentré sur des let's play. Je rappelle que mardi, on terminera les 3 dernières maps de Hotline Miami 2. Ok, j'en profite pour vous rappeler tout ça. On débutera probablement Katana Zero. La semaine qui va arriver, normalement, on devrait pouvoir jouer à Iceborne. J'espère que AlphaCast va pouvoir rush ce dernier DLC. Mais ça devrait pas tarder. Ok. Et puis, surprise, si vous êtes gentil, il y aura probablement du Sekiro. Sur la Just TV, donc on verra un petit peu, je rétrécis, on verra, je bouge, donc voilà, on verra bien. Donc vous avez vu, actuellement on a joué à des jeux de, même avant, hein, des jeux où on part, où on fait des fights boss, où on fait des trucs, donc on se prépare à faire quelques trucs assez sympathiques, et comme vous l'avez vu, hein, et peut-être que vous venez d'arriver, depuis 2020 la Just TV a quand même bien changé au niveau de du multigaming, on se consacre parfois sur des jeux qu'on ne pensait même pas. Donc on essaie de donner le meilleur de soi et on essaie de sortir de ce ring de FPS, malgré le fait que ça ne disparaîtra pas du tout, on en fera. Mais on essaie de changer un petit peu. Et je commence à bien kiffer cette façon de faire du let's play et de pouvoir jouer à plein de trucs et d'apprendre pas mal sur certains lores qu'on ne connaissait pas. Par exemple, le Jedi Fallen Order qu'on a terminé dernièrement avec le lore qui était clairement intégré était vraiment sublime. Donc si vous n'avez pas vu, bien entendu ça arrivera sur YouTube, hein, n'hésitez pas, hein. En plus vous avez des trucs, regardez, hein, ça tourne en boucle ici, hein. ça tourne en boucle, hein. Hop, ça tourne en boucle, c'est parfait. Oui, après voilà, c'est des nouveaux jeux, mais c'est probablement des jeux que vous aurez vu chez les autres streamers, mais vous inquiétez pas, ça sera beaucoup mieux chez moi, donc n'hésitez pas à revoir les jeux, hein, y a aucun problème. Et puis, vous avez vu, on a fait des infos partout. Hein. Les réseaux, ça compte énormément. Il y a le YouTube, il y a le Twitter, il y a le Twitch, il y a le Discord. Il y a la boucle, abonnez-vous, là, qui tourne en rond. Vous avez vu, hein, là. Vraiment, on dirait vraiment qu'on a énormément besoin d'argent. C'est fait, c'est vrai, c'est faux, c'est pas faux, c'est vrai. Donc voilà, tout est si beau. Salut, Nariel. Donc voilà, très content. Très, très content, tout ça. Regardez. Rien que ça. Voilà. Ça va être trop bien parce que du coup, ici, plus de fond noir, ok. Petite transition, hop, petit fond noir. Là, on va pouvoir faire ça. Là, bien entendu, on va lancer un jeu que personne ne comprend, ça s'appelle Overwatch. Il n'y a que AlphaCast qui comprend le jeu. Et on verra ce qu'on fait par la suite.
Parce que c'est comme ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué en plus de ça. On va jouer à un gros tank. On va casser des gueules. Et ça va être bon. Juste. Vous savez que c'est très difficile de lire juice et juste à côté ou pas? Pour savoir quel est le dernier don reçu. Le dernier don reçu, c'est H2O avec une donation de 30 euros. Du coup, ça s'est cumulé à 50. En fait, pour le dernier don, en fait, c'est la plus grosse donation actuellement. En fait, c'est surtout ça. Salut Schnaps. Oui, AlphaCast hein, avec ses lunettes. Je veux finir The Witcher. Toss a coin. Yes, toss a coin, comme il dit. Ah, quel plaisir. Alors, j'espère qu'on va pouvoir faire Monster Hunter parce que j'ai complètement torché le jeu, moi. Je sais plus quoi faire, moi. Saison 19, va falloir se reclasser. Ah, c'est l'année du rat. Ah, mais c'est pour ça que sur moi aussi, on a une monture rat. Votre prénom, c'est Jou, c'est juste. Bah lui, c'est juste. Bah ouais, c'est ouf. Hein. C'est dur, en vrai. Bon, est-ce qu'on en refait une dernière? Trop bien, ces transitions. Beaucoup trop bien. Donc, on ouvre un coffre lunaire. Salut Colimagneto, ça va très bien. Je l'ai déjà. Pas censé l'avoir, ça. Putain, j'ai tellement de thunes sur ce jeu. Insane. Nouveau défi. Donc, saison. Eh, on va directement aller gagner les coffres lunaires. Hein. On va en tank direct. Direct. Salut Creuse. Comment vas-tu, Ju? Attendez, il y a un petit souci ici. Ça va être réglé. Hop, voilà, c'est réglé. Petite braguette ouverte. C'est sale. Il y a des gens, là. On est en live. Salut Carmen. À toutes, Morphalus. Bisous à ta femme. Surtout à ta femme, surtout. Tu gagnes un coffre simple par une lunaire. Ah, c'est dommage. Ah, ils sont forts, Blizzard. Ok. Bon, ça fait plaisir d'être sur un FPS en vrai. FPS, on réfléchit pas. Bang, 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 et c'est terminé. Bon, c'est quoi qui est fort toujours? On va prendre notre gros port. On fera probablement pas du Overwatch toute la journée, hein. Surtout si les mecs cassent leur micro en vocal. C'est horrible. On essaiera de repartir sur quelques FPS. C'est vrai que ça fait un moment. Ça fait quoi? Ça fait deux semaines qu'on n'a pas touché à des FPS en vrai. Hein. C'est insane sur la Just Ever, en vrai. What the fuck? Non, Snitter. Hein. Par contre, c'est non. Salut Ratchet. Bonjour. On va juste décaler notre cam. Et voilà. Parfait. Bon, tout le monde se souvient du jeu. Hein. Putain, c'est terrible. J'appuie sur Shift. En pensant pouvoir courir. Ah yes. C'est tellement longtemps. Bon, on se fait un truc ou pas? On monte Diam ou quoi sur ce jeu? Pour montrer à Alpha qu'on sait jouer au jeu. Ah, je pense qu'on va faire ça. On va monter Diam sur Overwatch. Hein. On va monter Diam partout en fait. Juste go Diam en fait. Je pense, hein. Juste Godiam. Bloqué. Ah, le bon shield. Au bon moment. Ouh, merci beaucoup, l'Authentique. L'Authentique qui fête ses 1 an sur la Juice TV, merci beaucoup. Lâchez des subs. Enfin, les emotes, hein. Pas l'argent. Hein. Mort. Lâchez des subs, là. C'est peut-être pas le meilleur bail de prendre celui-là. C'est quoi leur compte? Faut du shield. En plus, on est avec une Zira. Zarya, Zira, je sais plus moi. Hop. Bon hit là. Allô? Je n'ai plus de barrière.
Ah bah yes. J'avais pas... Ah, Macri était dans ma team. Ok, bah go. Go, go, go. Yes. Enfin, c'est l'argent aussi, hein, Twitch Prime, si vous connaissez. Bah, de toute façon, il y a un truc qui tourne, hein, vous l'avez vu. Twitch Prime, c'est gratuit quand vous avez un abonnement Amazon, donc... facile, en vrai. J'ai juste de s'abonner. Pas très dur. Hein. Hop. On s'en va. Allez, plus de shield, à vous de jouer. Voilà, comme ça, il n'y a plus de shield pour lui, là. Moi, j'ai mon ult. Et parfois, il faut se sacrifier. Hein. En vrai, je pense que c'est un excellent move. Je pense qu'on peut lâcher des Juice Love, là. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup. Merci énormément. Merci, 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 pauvre RG. Aïe, 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 aïe. Merci, merci. Merci pour les 20 subgifts. Merci Raziel pour le 19e mois. Ils sont où mes DPS? Non, j'ai eu personne. J'ai eu personne. J'attendais mes DPS. On a quoi? Macri était là. Il n'y a même pas d'ulti. Putain, il aurait dû rester sur Faucheur en vrai. Merci beaucoup Raziel, hein, pour le 19e mois. Et Power, merci beaucoup pour ces 20 subgifts. Merci beaucoup. Bienvenue aux 20. La hype train est déjà passée. Après, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une hype train sur la Juice TV? Oh, le timing! Oh, le timing! Son bouclier a cassé, l'ulti est passé. Est-ce que c'était prémédité? Oui. Oui. Je crois que c'est un seul hype train par live. Enfin, par pop. Au pire, je peux arrêter en live et le reprendre. Je crois que ça marche. Je crois qu'il y a un truc du genre. Je vais rester là. Je crois que la May elle saoule avec ses shields. Allez, je back pour le heal. Ah, je suis gelé. Ouais, c'est la merde. Non, j'avais pas pu me remonter. Ça le fait, hein. Ça le fait. Hein. 2 heures? Ok. Attends. J'aurais dû fake aussi la charge pour être assommé, mais c'était chaud. Je voulais temporiser un petit peu, mais c'est vrai que du coup, bah, j'étais un peu tout seul et le Luchu était reculé. Oula, what the fuck? Il s'est tellement allongé le Luchu. Ah, faut les toucher. Allez, il y a les deux healers devant, quoi. Du coup, on a perdu le Luchu. La merde. On a personne pour la Pharah. Enfin, on avait quelqu'un, mais la Pharah était free. Pharah, 20-0. Je vous sache que j'apprécie immensément le fait que tu m'attendes. Y'a aucun problème, Alpha. Je te déteste un petit peu, mais je me dis que ça sera plus amusant. T'as vu, en plus, je joue à Overwatch, quoi. Tu me fais vraiment jouer à des jeux difficiles pour moi, tu vois ce que je veux dire? Mais bon, on essaye. On essaye. Et ouais, hier quand je suis passé, gros, j'avais ma belle-mère et tout à la maison, c'était impossible de jouer. J'aurais bien voulu, il y avait Fusio, c'était le plus important pour moi. Mais c'est cool, t'inquiète. Y a pas de problème. J'espère juste que tu vas vite avancer, quoi. Sinon, ça va partir en couille. Pourquoi nous, on n'a pas de... Ah, toi, t'es mort, du coup.
C'est dommage, nous on n'a pas de mail. Ouais, on n'a pas de mail, le Reinhardt il a ça. Ok. Oh, il a 2 HP. Il y a trop. Ouais. On n'a pas de team. Je me demande même si je devrais pas jouer DPS. Au pire, j'arrive qu'à pendant 5 minutes, on discute. Ça sera peut-être mieux en vrai. On commence le dernier DLC ce soir. Bah, ouais, je vis ton tweet. Donc dès que c'est fini, let's go. Bâton, hélicoptère, rap. Aucun problème. Moi, je. Très étonné de ce que je joue. MDR, pas du tout. Donc fuse hein. Fuse arbalète pour moi lourd du coup. Et une spécialité assez m'a conquise. Pareil. J'arrive pas du tout. Je peux pas push. Mes dégâts je sais pas où ils sont. Ouais. Je vais mourir. Et heal. Yes. Ok. Ah mais là je sers vraiment de mur quoi. Ah. C'est vraiment un mur là. Ah là, elle me coupe en deux. Ouais, je peux rien faire. Je peux rien faire à part être un mur. Tellement horrible d'être un mur. Est-ce qu'il y a eu des ups ou des nerfs? Ça va pas du tout bouger en fait. A l'aide. J'arrive. Ils sont tous à terre. C'est bon en plus. Y'a eu des up et des nerfs. Salut Zarlog, merci beaucoup pour le 4e mois. Merci aussi à Kadok pour le 10e. Up, gros nerf, diva up, très drôle. Le seul truc dont je me souviens, c'est que la méta double shield qui avait été nerf avec le bouclier de Sigma, je crois. Il y a le petit qui joue là, mais bon, c'est avec des viewers. Ok. Ah, du coup, c'est avec des viewers, donc c'est pas ouf. Ouais, je peux pas rien faire. Ouais. Terrible. Je pense qu'on va tag DPS. Hein. Là en vrai. Bon, peut-être c'est la première. Hein. La première c'est comme ça. Faire ma misère. Ah non, j'arriverai pas. Ok, dommage. Le plus important c'est le coffre de toute façon. Je vais mieux servir que par soi-même. En vrai, là, je sais pas. Soit... Je sais pas, on aurait dit que ma team avait trop peur d'avancer. Pourtant, j'ai essayé de mettre mon shield le maximum devant. Et du coup, les healers étaient trop derrière ou étaient trop devant. Je suis pas trop suivi. Après, bon, c'est un problème d'expérience de jeu et de placement de mon côté. C'était quoi l'annonce ? Une refonte complète du Twitch. Big V. Hein. Parce que tu as vu, regarde. Parce que ça fait plaisir. Bonjour à tous. Voilà, très bien. Je lance pas avec Alpha. Pourquoi Alpha dit qu'il voulait jouer? Je pense pas. Il a dit quoi? Alpha, tu veux jouer? Mais non, il a pas dit qu'il voulait jouer, Alpha. Il est en train de se concentrer pour le DLC. Oui, voilà, oui. Oui. Non, Alpha a déjà joué hier. Oui, t'inquiète, vas-y, concentre-toi, finis Witcher avant de mourir à IRL parce que... Yes. Y'a aucun problème. Concentre-toi sur The Witcher, même... Joue-y hors live, hein, joue-y hors live. Dis-toi que... J'ai quoi? J'ai actuellement 80 heures sur Monster Hunter. Je suis niveau 60, je crois, en chasseur.
J'ai 3 stuff Alpha Suprême. J'ai les fusils qu'il faut. J'ai plus de 2 500 000 de thunes. Mes coffres sont quasiment pleins. Il faut que je ferme quelques trucs. Joue quoi. Joue au jeu. C'est nul ça. Ah merde, je me suis remis tank en plus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Orissa. Yes. Non, c'est pas un mur que je fais, c'est le poteau. Ah, de me dire que t'es déjà sur stuff par rapport à moi alors que t'as joué une semaine. Non, mais y'a aucun problème. Hein. J'ai joué avec des gens, j'ai fait Behemoth, ils étaient en mode, mais gros, mais t'es grave fort pour quelqu'un qui le fait pour la première, j'étais en mode, bah ouais, mais c'est normal. Je... Je vais faire des roulades, quoi. On m'appelle Monsieur Roulade dans le milieu des chasseurs. Ça, juste, c'est quel rang j'en ai pas, là, actuellement. J'étais plate. Delna. Je sais pas avec qui t'étais, pas... devait être fort. Non, ils sont très forts. Ils sont très forts. Énorme. Ils sont très forts, mais à ce que j'ai compris, pour ce genre de boss, il faut quand même jouer à 4, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Genre en gros je serais nul, bah ça passerait pas quoi. Donc faut quand même jouer avec ses doigts quoi. C'est vrai que ce perso est marrant. C'est vraiment fuseur balette quoi. Attention, il y a un mec qui arrive là. Ah dommage, je vais le faire bannir. Et vous placez derrière notre barrière, yes. Sont derrière. Je vais mettre un... Il est jamais parti? Ah dommage hein. Non mais est-ce que, de toute façon, mais on sera 3 du coup, parce que je... Moi on m'avait dit en fait, tu fais souvent des... Par rapport à ça, par rapport à Monster Hunter, on m'avait dit que tu faisais pas mal de squads avec Mizu, mais Mizu a déjà rongé le jeu je crois. Du coup on serait quoi, toi, moi et... Enfin toi et Ventis et moi? Pour Iceborne? Les 6 mètres. Faut que je joue DPS. Je ne peux pas y être deux fois. Non mais j'ai dit qui? J'ai dit Alpha et Ventis et moi. C'est chiant, je joue le main tank. Bah, Delna, je peux pas prendre off tank si quelqu'un prend off tank. Enfin, j'ai aussi, malheureusement pour moi, j'ai un cerveau qui est assez admiratif du fait de respecter les choses. Donc désolé, je suis pas un gros con. Donc vu qu'il y a déjà un off tank, j'essaye de jouer tank. Voilà. Après, c'est dommage parce que voilà quoi.
C'est ça le truc. J'ai toujours joué comme ça, de toute façon, à des jeux où il faut choisir des trucs. Ouais, ça marchait, c'est Amande. Ah non, pas Amande. Ah non, j'aime pas l'hamster, moi. En fait, j'ai jamais joué en plus de ça, donc bon. Et après, de toute façon, je l'ai montré dernièrement. Ma May, voilà, a fait fureur lors de l'event où j'ai toujours pas reçu mon casque, mais y a aucun problème. Ça, c'est encore alpha, ça. Je le recevrai peut-être quand on commencera Iceborne. Ils ont passé. Merci Xeno. Merci pour les 5 subgifts, l'ami. Merci pour votre soutien. On peut mettre des petits joues sub dans le chat. Arrobas qui revient pour ses 2 ans sur Adjust TV. Merci. Merci pour le soutien. Yes. Ok, j'arrête. Je suis un coquin, ça fait pas de respecter les autres joueurs et les compos. C'est vrai. Je devrais jouer Diva. On peut pas passer parce que la main va refermer de toute façon donc. Ouais. Quoi ? Alpha Cast ? Pourquoi il n'y a pas eu de... Allô ? Mais il n'y a jamais eu Rain, il était derrière moi ? Non ? Bon, les DPS, là, faut casser les murs, hein. Mais gros, May, elle givre instant, what the fuck. Ah. C'est la fin. Bordel, what the fuck. Il était pas derrière moi, le Rain ? La merde, hein, qu'est-ce qui se passe ? Quelle horrible idée. Ça sert pas à grand-chose, hein. Ça sert pas à grand chose. Oh, vas-y, on va monter sur la droite, hein. À l'aide ? J'ai besoin de soins. Oui, Mati. J'hallucine, putain de bordel de merde. Bah yes, rester en plein milieu avec un Reinhardt et une May. Bah yes, yes. Allons-y. C'est frustrant ce jeu. Salut, c'est vous. Franchement, on va y faire 15 minutes hein, pour essayer de tag DPS.
Après, ça sera la même chose. Ça sera strictement la même chose. Bien, merci. Ah, ah yes. On va tenter. Personne même. Salut Pete. Ta-ta-ta-la-ta. Bah mais c'est juste que ça fait temporiser les choses, hein. C'est trop fort. Ça donne... Ça, c'est même pas un DPS. C'est juste un énorme support. Insane mais... Hein. Ouais. Tant pis, hein. Mec, il tire au pistolet. C'est trop marrant les DPS qui se prennent la tête entre eux en me disant est-ce que tu pourrais pas tuer Anna? T'as envie de lui dire est-ce que tu pourrais pas prendre Macri pour contrer la Mei ou le Doomfist? Non. Hop. Ouais, de toute façon, ça sert à rien. Ils sont bien meilleurs que nous. En plus, tu te sers pas du voice chat pour dire quoi? Ça sert à rien de parler dans un voice chat comme ça avec une team comme ça. Ça sert pas à grand chose en vrai. Surtout pas à 30 secondes. Et j'ai aucune expérience en tank, donc je vais pas lead quelque chose que je ne connais pas. Ils sont dessus d'une fille. Ah, ils sont trop forts. Trop forts par rapport à nous. Merci Takim Mirin. Merci pour l'11e mois. Parce que là, j'imagine que si je fais ça et que je fais ça. Ah non, mais là, c'est sûr. Ouais, 10 minutes quoi. Est-ce que j'ai vraiment envie d'attendre 10 minutes? Pas envie d'attendre 10 minutes en live. Ouais, j'ai vraiment pas envie hein, d'attendre 10 minutes en live en vrai. Tu fais un react pendant ce temps-là? Ah non, c'est mort. C'est mort. Oui, même en live. Hein. 10 minutes, 10 minutes, c'est quoi? C'est être overstuff sur Monster Hunter en fait. Ouais, c'est le problème de la solo queue, mais bon. En vrai, si je pourrais au moins off-tank, ça serait pas mal. On pourrait faire un peu plus de trucs. Là, je joue tank, j'ai un mur, je me déplace avec un mur, et il n'y a personne derrière, il n'y a personne devant, il n'y a personne en fait. Et le truc, c'est que si moi je prends un off-tank, le mec à côté va prendre un off-tank, et du coup les gens vont se plaindre, et du coup je vais prendre main tank, et du coup c'est horrible. React sur une de tes premières vidéos, puis react sur cette vidéo, react l'année prochaine. C'est le bordel. T'as vu mes cheveux? C'est bien. Insane. Vers la Havane. Est-ce que je peux prendre quelque chose? Genre... La Havane, c'est quoi déjà? Il faut des walls de toute façon. On va peut-être jouer celui-là. Hein. Ça sera peut-être mieux que Reinhardt en vrai. Hein. On peut faire un petit peu plus de trucs. Hein. Petite casquette posée, oui. Ouais, la surprise, c'est ça, regarde. Je vais te montrer. Quel bordel. Alpha, ton jeu est nul. Non, en vrai c'est horrible les solo queues sur Overwatch. Après, comme vous dites, hein, je pourrais communiquer ce genre de truc, mais pour dire quoi? Venez sur AdjustTV, venez vous abonner. Peut-être, je pourrais dire ça.
En vrai, j'avais pas envie de faire des Escape from Tarkov. J'en ai marre. En vrai, j'ai trop de thunes et c'est relou. Peut-être donner toutes mes thunes en fait. On va voir. Peut-être faire juste les positionnements en tank. Peut-être en heal. Enfin, il y a quand même Alpha, faudrait peut-être jouer Ana. What the fuck? Ah, une merci de Reddit ça. Putain, ce poteau électrique, il tank de ouf. Hein. Ok, nice. Ok. Allez, ça c'est pour Alpha. Ouais, ils ont la merci de la game d'avant. Non, c'est faux. Merci à Zulan pour le resub et le troisième mois, l'ami. Re-bienvenue à toi, merci beaucoup. Bonsoir, c'est ici pour du Dark Souls Xeno 2. J'avais pas vu ce que tu m'avais envoyé, mais yes, peut-être un jour. T'es salaud, merci pour ton resub et ton 23ème mois sur la Just TV aussi. Merci beaucoup. C'est très gentil, merci. Ah, ça c'est un tank silver qui joue tout seul, du coup, on dirait moi. Quel élément ? J'ai entendu de loin le faucheur. Nice. Bah voilà, je suis en feu. Et voilà, il n'y a même pas besoin d'audio. C'est juste comme ça, les amis. Parfois, vous jouez avec des gens qui ont du cerveau et parfois, il y a des gens qui en ont pas. Non, je joue pas avec l'ulti parce que l'ulti, je pense que je fais des game viewers over rank. Enfin, genre beaucoup trop haut. Donc, je ne pense pas être à la hauteur des viewers de ces streamers Overwatch. Eh. Pile quand il fallait. Hop. Ferme-la! Moi, je suis juste un joueur simple, vous savez. Je suis un casu, en fait. Je vois pas pourquoi je me plains de perdre, je suis casu. Je dois tout le temps gagner, non? Merde. Streamer. Streamer qui joue pas Overwatch et qui se plaint de perdre, what the fuck. Il a pris tellement d'HS lui. Hop. Le soldat c'est vraiment un aimant à pierre quoi. Ok. Ah la merci focus. Hein. Hop. Voilà. Parfait. Bah voilà. Comme quoi, c'est aléatoire.
Tout est totalement aléatoire sur ce jeu. Bon, Blood, qu'est-ce que tu veux? Ok. Bon, un chopper. Chopper. Je vais dire un truc, mais on s'en fout un peu. Il y a pas mal de gens qui rejouent à Titanfall 2 grâce à Apex Legends. Il y a moyen de bien s'éclater à petit prix. Le fait de monter sur les murs et tout ça, ouais. C'était un très bon jeu, Titanfall, mais ils l'ont un peu tourné en mode... c'était bizarre. J'avais bien aimé, j'avais bien cassé la gueule du premier qui était sorti. Titanfall 2, je crois que j'ai même pas touché. Eh, les gens aiment bien marcher sur les murs. Clairement. Après, le truc, c'est que là, c'est un bon jeu. Mais c'est pas un bon jeu tout seul. Je le vois sur le stream des copains et tout ça. Quand tu joues en équipe, bon, après, ils ont un sacré niveau hein, comparé au mien. Mais genre, ils se fendent bien la poire. Hein. On dirait que quand t'es solo, de toute façon, sur les jeux vidéo, c'est de la souffrance et du mental. Après, c'est bien, ça vous entraîne pour la vraie vie. Gardez son calme. Il doit y avoir des stages en marketing sur des jeux comme League of Legends et Overwatch en solo rock. Ok, ils ont sorti un bastion. Une réaction, Juice? Yes, on va essayer de l'attraper. Oh. Allô? La sombre, elle a dû avoir surprise. Ok. Attention, il faut pas qu'il se pose. Faire chier le shield du Reinhardt, hein, vu que c'est un mur, MDR. Ah. Bah, si on s'est posé à gauche. Je l'ai pas eu. Où est-ce qu'il est? Bah tiens, faut le reculer. Hein. Ouh. Hit. Non? Bon, c'était un ulti de merde, mais c'était par peur. Je pouvais pas me mettre devant la ligne du... Ok, nice. Je peux pas rester sur la ligne du bastion avec son buff. Zoa, merci pour le Twitch Prime, bienvenue. Merci beaucoup, merci aussi à Zulan encore une fois hein, pour le troisième mois. Ok, Bastion, c'est bon. Allez, le mur. Bastion, le mur Reinhardt. Bastion, le mur Reinhardt. Bastion, le mur Reinhardt. Bastion, le mur Reinhardt. Viens ici. Hop. Pas de bastion. Bastion devant. Hop, les murs. Je suis un casseur de murs. Quand je suis pas un mur, je suis un casseur de murs. Viens ici pour voir. Ah, super marteau en tout cas. C'est de la merde. Hop. Un autre boost. Ça passe. Waouh. Ah, je grid. Passer où la Moira? Oh bah soigner, on va sortir de cette merde. Hop, en bas.
Ok. On va se soigner. Viens ici, toi. Wouah! Wouah! Comment ça? Marteau Fillon? Yes. C'est le boss. T'es un ministre, ça? Attends, viens voir. Wouah! Oh. Ah dommage hein. Super le nano boost sur ce Reyna. Ok. Bah voilà. Bah voilà. C'est un plaisir mais je suis un viewer silencieux. Y'a aucun problème à Zulan. Y'a aucun problème. Bah voilà. Il y a des games avec, il y a des games sans. Il y a des games avec et il y a des games sans. Ah ouais, bah c'est des trucs lunaires qu'on gagne. Enfin, quoique, c'est parce que j'ai eu un level up peut-être. Sélectionner la récompense pour avoir aperçu. Oui, c'est bien des coffres lunaires qu'on a du coup. Non, mais c'est parce que. Ouais, j'ai up, hein. Oui, j'ai probablement up en fait. C'est pour ça que j'ai eu un coffre lunaire. Tu vas rejouer à Star Wars Battlefront 2 ? Peut-être pas aujourd'hui. On ira probablement sur Battlefield aujourd'hui, je pense. On se fait un petit samedi chill FPS après cette petite annonce. Bah du coup, on n'y touche pas. Et la semaine prochaine, je pense qu'on jouera rapidement peut-être à quelques FPS, mais on se focusera sur ce qu'on a à faire. Je pense qu'à partir du week-end prochain, on jouera à Sekiro. Peut-être même à partir de demain, on verra. Mais je veux pas faire Sekiro de day one jusqu'à le terminer. Donc on essaiera de le dispatcher. Donc soit on commence l'aventure Sekiro demain. Et comme ça, tous les dimanches, on continue l'aventure Sekiro. Tout en ayant des lives multijeux entre la semaine. Je pense que ça peut être pas mal. J'aimerais bien voir un petit peu ce que ça donne Sekiro en vrai. Je pense que je vais full FF. Probablement à certains endroits. Mais c'est cool. Ça sera peut-être mieux qu'attendre 15 minutes pour tag DPS. On verra. Overwatch, R6. On restera quand même sur les jeux de team, je pense. Overwatch, R6. Battlefield, parce qu'on a notre squad sur BF et c'est cool en vrai. On s'amuse bien à chaque fois. Kings Row en défense. Avec une diva. C'est quoi le mieux, Rein ou Orisa? Orisa, non. Début défensif Orisa, je pense. Bon, c'est le mieux. Salut Papix, bonjour. C'est Torb Jordan qui avait été tank, il aurait été écrit marteau final. Ouais. J'avais pas vu le début de cette phrase. Ok, donc on a des places, on a quoi? On a Macri. On a notre super archer, yes. On va voir. Et c'est quoi le hub de Diva? Elle fait plus de dégâts? Merci l'influenceur. Comment ça va Luthi? Merci pour le host. Bonjour à vous. Ah la Mei. Avec son mur. On rentrait d'un coup. La Mei, ça fait trop le taf. Faudrait vraiment que je joue à 6 en vrai. Enfin à 5. On joue combien sur jeu 6 je crois. Merci Lutipolos, en tout cas bienvenue aux gens qui savent jouer à Overwatch. Bienvenue sur le stream d'un casual qui rage, pas du tout, un solo queue. Bon. Je vais devoir attendre alors. Oh putain la poussette. Ouh. Ouh.
Ah, cette petite poussette du robot. Quand même. Ah. On a tué le bastion, moi ? Ok. C'est bon, faut que j'arrête tuer le bastion. Moi, j'ai mon ult. It's fine. Normalement, ça devrait le faire. Lol. Mais en vrai, l'astuce, c'est quoi ? C'est vraiment jouer à 6 tout le temps ? Pour jouer au jeu correctement et jouer genre... Après, je me demande, parce que si tu joues à 6, tu joues contre 6 mecs. En fait, ça me fait chier, en fait. Déjà... Les mecs, c'est sûr qu'on va être meilleurs. En fait, c'est méga punitif, ce jeu. J'ai marre des jeux punitifs, hein. Oh, je crois que ma boule a été cool pour notre diva. Je crois que la boule de la diva, là, elle a été contente. Ah si, c'est mieux, mais le niveau est plus haut. Ouais, c'est ce que... Ouais. Ah oui, c'est pour ça. Du coup, je serais nul à chier, en fait. Et du coup, c'est chiant. J'aime pas être nul. Nice. Y'a un mec là. Ok. Patient qui est tout seul dans un coin là-bas. Parfait. C'est super long pour Tagassis aussi. En fait, y'a un moyen de jouer à Overwatch ou pas? Vivement le 2 en vrai, non? Ça va rien changer. Mais le solo sera cool. Ah, clairement, le solo ça va être bien. Le solo sera cool. Ils ont full ulti. Ah, il y a eu deux ulti. Ah, moi aussi, je veux jouer Mei. Ah, pourquoi ils sont pas... Ça fait plaisir de te voir sur Overwatch, mais le jeu depuis plusieurs semaines, quel play. Ah, je sais. La commune va être pas contente s'ils changent R. Je pense qu'ils changeront R, en vrai. Hein. À l'aide. Reculer. Ah, la Pharah. Ah, il y a dedans, hein. Elle était bloquée derrière le mur, de... Pas ouf ça. Ouais. Genre je vais pas ulti maintenant. J'ai ulti juste après sur le back de tout le monde. La Pharah ulti aussi. On a un chopper. Pas de soins. J'étais debuff en plus. C'est bien plus dur. Ouais, je pense qu'il faut que je garde Orisa pour le shield. Doté à rester. Ah, c'est bien ça.
Ouais, ça spam. Énorme. Yes, la Pharah, yes. Oui, l'Overwatch 2 sera le même multi à ce que j'ai compris. C'est... En fait, ce qui change, c'est juste l'histoire. Qu'il y a une histoire. Enfin, ce que j'ai compris. Après, je vais peut-être totalement faux. Hein. Moi, le seul truc que j'ai retenu de Overwatch 2, c'est un mode d'histoire. Ah. C'est chiant, ça. Hop. Ça c'est pas good. On est tous morts. Ah, soldat qui est de l'autre côté. Diva. Ah yes. Bien joué moi. Dire que je joue soldat sur tous mes persos, je suis obligé de shift quoi. Oh putain, j'étais stun juste après. Ouais, terrible. Oh, j'ai été décalé juste après, je voulais les faire tomber dans le vide. Ça aurait été le move. De qui? Restez sur le truc. Ok, ça c'est bon. Ça passe, non? Ouais, ça a passé. Je fais ça sur une diba alors qu'elle a un chiffre pour voler. Bah yes. Tu es là? Voilà! Quel bordel! Il y a des nouveautés sur le multi aussi, nouvelle map. Yes. Ah, c'est vrai que j'ai lu ça qu'il y avait une nouvelle map et tout. Bah, de toute façon, c'est censé arriver quand? Très prochainement, non? Je sais plus exactement la date de sortie du Overwatch 2. Mars, avril? Mai? Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre? Décembre? Janvier? 2030? Ok. J'ai envie de prendre Winston. Juste après... Ouais. Après, je sais pas si... Je peux pas vraiment push non avec ça, en vrai. Je vais prendre Diva. C'est vrai que s'ils ont une Pharah, ça peut être pas mal. Ou un snipe, comme ça je les push. Une stun pire perso du jeu en ce moment à cause du nerf du bouclier. Ok. On va voir. Game. Allez, voyons voir ce qu'il y a. Ah, il y a un bastion. Un bastion. Ah là, ils ont claqué un truc pour rien. Hein. Prendre une. Peut-être les faire chier, mais. Mes potes avancent pas. Ah. Faire les 5. Oups.
Bah yes. On est d'accord que la team avançait zéro là. Comment c'est possible? Comment c'est juste possible? Je sais pas. Go 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 go. Allez, 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 tuez-le! Oh, il meurt pas! Oh, par contre, faut qu'elle meure. Elle. Voilà. Oh, horrible. Lazaria Shiny, ouais. Pokéball, Pokéball. Oh, c'est décalé pauvre avec un fusil à pompe quoi. On met un max de dégâts. Hein. Un max de dégâts. Table 6. C'était quoi cette strat là? On se regroupe tous derrière. Allez, chat. Campers. Il me faut des soins. Pog. Je le joue comme un rogue, la diva, là. J'allais tomber. C'est pas le meilleur plan là du coup. L'aide. Ouah! Really? On me sauve de cette histoire là? Bordel! La shiny, shiny, shiny! Ah shit! Ah merde! Je suis mort là par contre. Dommage. Elle glace tellement vite. En vrai, c'est abusé. En fait, il nous faudra un tank qui glace comme ça là. C'est insane. La Moira qui a craqué complètement. Bah, de toute façon, tout le monde craque. Hein. Ah, cette Zarya là. La tempête est grande. Allez, allez. Deg.
Yes, yes, la ligne de mire. Moi aussi. En fait, t'étais pas dans la ligne de mire, t'étais devant mes canons en fait. Ouais. Voilà! Quake! Ouais, nice. C'est dingue. Mais pourquoi, Juice? Bah, en fait, je voulais la faire descendre de l'autre côté, je pense que j'aurais fait des kills. C'est juste que je me suis fait brain. Yes. Il a volé tous mes kills. Bon, mais voilà! 2 pour 2. Normalement, celle-là, on la perd. Un peu trop tôt, du coup. Non, j'avais bien timé. Bon, mais c'est cool. Ça nous fait 2 wins, 2 lose. Donc, normalement, on perd celle-là. Kaylis, merci beaucoup pour ton resub et ton 23e mois sur Adjust TV. Merci beaucoup. Merci aussi à Lostradamus pour le 17e mois. Arcanis, merci pour le 29e. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Oh, bienvenue sur Adjust TV qui est toute neuve, regardez. C'est pro ici. C'est très pro. Yes. En vrai, je vois pas ce que je peux faire de plus. En vrai, je pourrais faire ça, vous voyez. Genre là, je pourrais refaire. Et là, on pourrait discuter, vous voyez. Je suis en mode, je sais pas quoi faire de plus. Parce qu'en gros, genre, si je tank, c'est mort. Il peut se passer des games que je peux passer, mais c'est 1 sur 5, on va dire. Si la team, en fait, elle suit mon flow, ben, on arrive à faire quelque chose, sinon c'est impossible, parce que je peux pas lead. J'ai aucune expérience. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si je peux off-tank, c'est cool. En vrai, l'off-tank, c'est cool. Mais sinon, c'est la merde. Attention, on repart en jeu. Boum. Mikyu, merci pour le resub. 23e mois hein, pour Mikyu encore. Plein de gens qui vont fêter leurs 2 ans sur Adjust TV très prochainement. Merci beaucoup en tout cas pour votre soutien. Ok, il a pris Reinhardt, c'est parfait. Je vais pouvoir le shield à bloc. En plus, on a un Doomfist qui va adorer mes shields. Ça, c'est bon, ça. Ça, ça annonce une bonne game, voyez. Ça, ça annonce une bonne game. Peut-être une win, hein, du coup. Peut-être une win. Je pense qu'après cette classée avec le tank, on ira faire le heal. Après, bon, je suis désolé, les amis, mais 10 minutes d'attente pour DPS. Je sais pas vraiment si c'est le bon bail. Liquid River, merci beaucoup pour ton resub et ton 3e mois aussi. Merci beaucoup. Re-bienvenue sur Adjust TV, merci. Merci énormément. Donc là, on va juste shield la planète Terre. Planète Terre, ok. J'adorais faire ces jeux avec Hermès à mon école. Trop fort. Faut vraiment que j'arrête d'appuyer sur Shift. Mais vous savez pourquoi j'appuie sur Shift ou pas? C'est pas pour sprint. C'est pour le fusil arbalète. Technique spéciale. Saute! Saute! Comment je lui ai sauvé la vie? Comment je suis chargé tel un shiny? Comment je suis mort sur des rebonds improbables de la fontaine? Improbable. Salut Tenjin. Improbable rebond. J'ai pas compris pourquoi l'arena t'a pas sauté plus tôt. Je n'ai pas vu le Doomfist. Yes, yes, arrête toutes mes balles. C'est fou, Lynn. Hop. Alors, Railgun sur Quake, les amis. Juste ça à vous dire.
Macri derrière. Macri behind. Voilà, c'est le seul truc que je dirais sur cette game. Non, voilà, nice. Est-ce que Ange peut me raise ? Ou on a plus... Non, on a plus de Ange. Ouais, je vais probablement être gold et je suis un low plat. Hein. En vrai, je suis un low plat. J'ai monté une fois, Diam, mais c'était au tout début quand les gens étaient nuls et du coup, même temps de jeu, je suis meilleur. Maintenant, il faut faire toute la théorie craft pour prendre les bonnes compos. Pas avant ça. Aïe. Ah, l'erreur. L'erreur. Ah, ça va. Hi. Yes, arrête mes balles. Vas-y, Doomfist. Je suis sûr que si Alpha jouerait Doomfist et moi Zira, Zarya, à chaque fois j'oublie, mais je suis pas trop content d'avoir des chiens. Bah non, du coup, what the fuck. Faut pas perdre contre ça en vrai. Hein. Ah ouais, on perd. Ouais. Macri il est à droite. À l'aide. Je suis à mes potes. Va attendre hein, va. C'est quoi les ultis là? Ah dommage, un pixel du cul. Ok. Oh reculez hein, c'est leur spawn là-bas. Ah il paraît quoi. Tranquille. Bliette. Ah, je sais pas si il dit ça, mais c'est marrant. Ah putain. J'ai pas pu. Oula. Ça fait tellement un close rapidement. Non mais on a bien fait de garder notre ult. Bon, on va mourir. On va avoir notre ulti ici. À force de trop pousser. Après là vous voyez moi je joue, genre je jouais pas du tout devant parce que je sais que ça sert à rien d'aller devant mais j'aurais dû peut-être dire en vocal en mode je pense qu'on pousse trop là. Ouais faut pas que le Reinhardt meure. What? C'était quoi ça? Je suis derrière un mur, comment le Hammond a pu me tuer? Très fort. Non, vraiment très fort. Oui, j'avais dit que de toute façon, j'avais dit que ma seule phrase c'était Macri behind. Peut-être qu'il y en aura une autre au deuxième round. Mais pour le moment, non. Bah yes. Bah très bien. De toute façon, s'il reprend Reinhardt, on peut rejouer à Zarya. Merci Kedouf pour le message. Plaisir, plaisir, oui.
En vrai, est-ce que ça sert pas à grand chose de prendre une diva face à un bastion à part le faire chier vite fait? Parce que du coup, qu'est-ce qu'on va faire sur le... Si on push le bastion, on va lui tirer dessus. On va scan. Il va arrêter de tirer. On aura claqué un CD pour rien. Ça sert strictement à rien. On est d'accord. Oui, il était... Enfin, diva useless sur bastion, du coup. Une charge Reinhardt serait cool. Après, bon, s'il est bien protégé, c'est mort. Winston, vous m'avez dit qu'il est nerfé. Du coup, sur un shield, il explose. De toute façon, le shield. Donc ouais, je joue avec des, ouais, des boucliers peut-être. Comme ça, pour avoir un peu plus de dégâts dessus. C'est vrai que c'est pas mal. Lol, lol, force DPS. Gold medal, lol, lol, lol. C'est terrible ça, quand les tanks disent ça aussi. Tu joues DPS, tu fais tous les fights. Le mec dit bah je suis gold DPS, c'est insane. Et t'es là en mode yes, yes. Big Match Hopper, ça passe aussi. Merci Wawa pour le 21ème mois. Merci beaucoup. Allez. Oh oui, tape-moi dedans. Ah lui il troll, je pense du coup. Je suis le seul mec qui a fait ça. Ah, attends, t'étais pas en range. Allô? La personne qui ne meurt pas. Ah mais Moira. Enfin, je dis ça mais on la jouera probablement après. J'ai pas compris qu'on a fait à ne pas avancer là, en vrai. Bon j'étais pas avec eux parce qu'ils ont sauté et moi j'ai fait le tour. Baptiste, vous voulez jamais mourir? Trop fort. Y'a personne? Non, ils étaient tous dedans! Ils étaient, on était tous morts! Je suis nul! Mais comment je peux check ça en vrai? Il faut vraiment que je tape tout le temps hein, pour regarder cette ulti. Hein. Tous dedans. Ouais, voilà, c'est exactement mon visage là juste après. Je fais ce que je peux, hein. Je mets mes shields. Ouh, je crois qu'on passera pas. Je le pense haut et fort. Après, il y a eu full ulti, là. Il y a eu full ulti. Ah. Derrière nous. Au revoir. Au revoir Macri. Au revoir. Ouais. Moyen de lose là.
D'huile, d'huile, d'huile. Wouhou. What the fuck, il a FK. Personne le tue. Allez, suis-nous. Le Baptiste qui a FK, aucun DPS le focus. Le mode grac, 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 grac. Ouais, c'est Rain qui te chasse. Mais bon, du coup, j'ai une bulle, quoi. Presque. Oh yeah. Alors ça fait quoi d'ulti pour rien? Oh j'aime. Je suis shiny là. Je brille 2000 coups. En bas? En bas là c'est gagné. Parfait. Jing gang. Difficile au début. On a su maîtriser le mental. Et on est... C'est quoi ça déjà? Je sais ce que c'est. C'est plate? L'eau plate? Je crois que c'est l'eau plate. Je dis pas de conneries. Ouais c'est ça, l'eau plate ouais. Ok, bah nice en vrai. Bah nice du coup. On est l'eau plate en tank. L'eau plate, ouais. Ah, ça fait penser à boire, en vrai. Oswin, l'eau plate. Yes, elle est là. Peut-être les premières gorgées du live. Hein. J'ai vu que les mots n'étaient pas trop floues. Après, c'est normal, vous avez peut-être pas l'habitude. Juste Godiam, là. En vrai, je pense que c'est mort, Nariel. J'aime l'eau. J'adore l'eau. Préparez-vous à attaquer, yes. Bon, on se tag en heal et on arrête Overwatch. Faudrait trop tryhard, tu penses juste... Je sais pas, Nariel, mais en fait, en solo queue, je pense que ouais, il faudrait que je tryhard mes morts pour monter Diam. Et j'ai pas envie d'être le tryharder Overwatch, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Après, c'est vrai que la Juice TV n'a vraiment jamais tryhard un jeu. Mais bon. Ne cesse jamais de te battre pour ce que tu crois juste. Donc bon. Allez, on prend Anna. À chaque fois que je vois un monstre, maintenant je pense à Monster Hunter. C'est le moment pour commencer à travailler d'un jeu avec Overwatch. Ouais, mais Zappy. Je sais pas, est-ce qu'on a vraiment envie de tryhard Overwatch comme un porc? En vrai, j'ai envie... En fait, j'ai envie de tout à la fois, mais le niveau suit pas, en fait. J'aimerais pouvoir tryhard tous mes jeux, mais j'ai pas le temps. J'ai adoré à un moment quand je tryhardais R6. C'est la théorique. Je suis plate, je suis l'eau plate. En général. Beau ça. Ah, j'ai plus de copains. Genre là, c'est trop marrant parce que du coup, les tanks ont avancé. Mais du coup, nous, on pouvait pas passer. En vrai, il faudrait avoir un rétro sur les persos pour voir ce qui se passe derrière. Petit rétro là sur l'épaule ou sur l'arme pour voir ce qui se passe derrière en fait. Parce que t'es en mode, toujours en mode ouais, ouais, c'est bon, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. En fait, y'a plus personne, mais tu sais pas. Y'a pas de com. Non, le mec te dirait bah je suis mort en fait, avance pas. Ah
Je me recule les mains. Pareil, faudrait que tu te montes. Un nano qui est un adulte. Personne adulte, non. Non! Il a ulti, hein. Le Zeny attaque est là. Bonsoir à tous. Guys, maybe we should regroup and... Yeah, should regroup. Ça c'est la phrase que tout le monde a entendue au moins 10 000 fois dans la même game. Juste regroup, guys. Genre ça va vraiment changer un truc de ouf. Vous voyez ce que je veux dire? Genre quand quelqu'un dit, vous voyez, tu regroup, tu vas gagner quoi. Alors que Zanyata est juste là en fait, depuis 2 heures. Voilà, juste regroup par contre. On a jeté deux dedans, yes. Ouais, juste regroupe les gars. Ouais, juste regroupe. Il full ult, premier mec mort. Ils ont pas de mercy en face, du coup pas de res. On devrait revenir plus vite et s'avancer. Les tanks vont se donner tout seuls, j'imagine. Ouais, reste en vie. Non, il charge en étant low life. Yes, assez plaisant du coup. Du coup on est mort, parce qu'on n'a pas de tank, on peut pas avancer. Leurs tanks vont revenir. Doomfist avance tout seul. Pharah peut-être, Pharah au corps à corps, yes. Ça m'a fait peur de ouf. Ouais, j'essaie d'aller dessus, la diva s'était envolée. Elle s'était juste envolée. Ouais, on n'est pas sur le point. On fight au tour. Dommage. Pourquoi tu ne traverses plus R6 du coup si t'avais aimé? Parce que je suis un mec qui change énormément d'idées. En vrai. Et en fait, je suis très trouillard dans le travail que je fais. Parfois, j'ai peur de faire des choses. Et parfois, je les fais et ça marche. Et parfois, j'ai peur et je les fais pas. C'est aussi quelque chose sur quoi je travaille cette année. C'est-à-dire me donner des missions et les faire. Donc, pour le moment, ça a l'air de bien se passer. Parce qu'on fait quand même des let's play qui se déroulent très bien. Et des découvertes sur lesquelles on accroche. Un peu comme Monster Hunter. Jedi Fallen Order, Sekiro qui va arriver. Si vous êtes gentil, et on fera peut-être des trucs par rapport à Dark Souls. Voilà, c'est des trucs. Avant, j'étais en mode non, je pense que je vais aller sur CS. Hein. Faut dire que moi, avant le streaming, je jouais à deux jeux, Counter-Strike et World of Warcraft. Le reste des jeux, j'étais là en mode c'est quoi cette merde? Donc voilà. Et là, pour 3 d'alpha, tu commences... Yes, bah je vais faire ça, je pense. En vrai, j'ai vraiment envie de jouer à Monster Hunter pour voir la suite. Et de petits unbuild, quoi. Pareil que c'est vraiment bien, en vrai. Pareil que c'est vraiment bien. Non, mais ouais, c'est vrai que... Pourquoi pas se donner un objectif... d'essayer d'aller le plus haut possible sur un jeu, mais je pense que ça peut atteindre mentalement la personne. Ou même les viewers seraient saoulés. Genre je vous dis, ah bon, à partir de la semaine prochaine, on prend ce FPS. Et on essaie de le tryhard jusqu'à la nouvelle saison. Après ça serait pas mal, je gagnerais énormément de skills dessus.
Et ça dépend vraiment du jeu. Ça va vraiment voir God sur EFT. Aïe aïe aïe. Ça va les gars? Ils sont derrière en fait. Hein. Ils sont derrière en fait. Je répète. Je répète, ils sont derrière. Ouais. Et là en fait, qu'est-ce que tu peux dire? Bah tu peux rien dire en fait. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah ouais, désolé, j'ai mal l'île. Trop bien ces sanglements de scène, c'est de la bombe. Occipital, merci pour le reçu à le 21ème mois. Non mais c'est... Regardez, en plus je me pose comme si je regardais votre chat. En vrai, c'est dur. On vient juste de voir qu'on m'avait offert un sub il y a 2 heures. Quel connard je suis. C'est bien de le remarquer et de le remercier. Merci Occipital, en tout cas, encore une fois pour le 21ème. Et pas nécessaire de dire que quelque chose de toute façon. Non, mais en vrai, ça dépend de tellement de choses. Tiens, t'as les yeux bleus, Jou, je pensais que tu les avais marrons. Je les ai verts, mais ils deviennent... En fait, c'est... Quand je passe l'hiver... En fait, en hiver, ils sont vert foncé et plus les saisons... En fait, mes yeux évoluent suivant la saison. En été, ils sont vert très clair bleu, on dirait bleu quasiment. Et sinon, j'ai les yeux verts. Yeux verts, yeux de vipère. Ah, pas de soucis. Juste mute en fonction de la météo. Presque. Alors, il a pris Anna en phase. Je vais prendre Moira. Hein. Non, mais ouais, faudrait voir. Faudrait voir. J'adore cette scène où, genre, j'étais comme ça, je regarde le chat. Là, on dirait que je regarde juste dans le néant distordu du malaise. Je viens de faire 2 heures de dérage sur TVOD. Parfait. Merci beaucoup pour ton travail. La science est la voie vers la vérité. Non, il faut un off-field. Comment ça, il faut un off-field? Bah, Moira, c'est un off-field, ça. Comment ça, il faut un off-field? Un ulti défensif? Pour la supériorité des idées. Ah, genre Lucho. Mais je suis trop loin là, non? Allez, je vais prendre mon pote Lucho. Oui, le team Moira, de toute façon, Moira peut être tout à la fois. Mais c'est vrai que ouais, ça fait un moment que j'avais pas joué Lucho. En vrai, ça me dérange pas. C'est un bon perso. Enfin, moi, j'aime bien. Après, je sais pas ce que ça donne maintenant, mais... Ah oui, mais du coup, là, on va perdre. Oui, là on perd de 100%. Bah oui. Ah oui, là c'est perdu. Mais coéquipier le Zafum, mais c'est déjà perdu ça. On pas la hauteur. Bastion qui est zéro protégé. Ça va être bien cette histoire là. On va voir s'il... Oh, bah, se mettre derrière le shield là. On va casser les shields, non? Oula! Elle est bien douce. Quoi, ce Kayuki? Putain, ce HS! Bah, c'est avec Lucho que j'ai été diam. Voilà. Et je rigolais énormément avec Ita et tout ça, pour ceux qui connaissent hein, la scène Overwatch. Je jouais beaucoup avec Ita à l'époque. Et t'es en mode, t'es vraiment le meilleur Lucho. Il est vrai, hein. Qu'est-ce que... Je tank pour lui, hein. Je tank pour lui, hein. Vous avez vu ce que je fais ou pas? Je me mets devant le Reinhardt qui était low HP parce que la Moira qui casse son truc en auto, qu'elle me prenne en cible plutôt que le Reinhardt. Je suis trop ingénieux en fait. Et en plus je vous le décris quoi. Juste le meilleur casual du jeu en fait. Meilleur casual de la scène FR.
C'est faux, bien entendu. Pas besoin d'ulti. Ah, de toute façon, on me fait jouer avec des murs. Hein. Hop, en bas. En bas. Et petit. Ça passe quoi là-bas? Le Genji, c'est ça? À toi, ma belle Andalouse. Aussi belle que jalouse. Peut-être la merde là, du coup. Peut-être le moment de le faire là. Ah. Restez derrière, vous. Non. Et sois tranquille. Ah. Lol, le heal. That is a night fever. Ça fait quoi de se faire tuer par une grenouille? Asthmatique qui fait de la musique. J'y vais! Non! Ouais, moi je me sens mort du coup. T'as raison, t'étais... Ouais, mais j'étais fort. J'étais méga fort. Vas-y, on va rester sur Lucho. Lucho, hein, avec lequel j'ai une arme gold. Dans ma première arme, c'était sur Lucho. Première arme que j'ai gagnée en ranked, Lucho instant. Un plaisir. Après, c'était quoi? La dernière fois, on était... De toute façon, on était quoi? Si je me souviens bien, on était low plat sur le tank et... Non, quoique, il n'en était pas low plat du tout. On jouait le moins. On était mi-gold, je crois. Moitié gold. Après, bon, DPS, on était à 2008, je crois. Je sais plus exactement. Je crois qu'on est en 2007 peut-être. Je sais plus, faudra que je regarde. Je sais un peu exactement où j'étais en DPS. Montrons-leur ce qu'on sait faire. Yes. Bastion. Ouais, c'est un holo par roll, ouais. Bah c'est ça qui a été le gros truc mise à jour d'Overwatch dernièrement. Enfin, dernièrement. Bah non, ça remonte. C'est un peu ça aussi qui a fait que bah, je suis un peu reparti sur le jeu. Parce que je trouvais ça intéressant, ouais. Après, ça a pas plu à tout le monde. Hein. Ça a clairement pas plu à tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait? On va en bas? Plein de choses qui ont changé, là. Ouais, non. Ah, j'essaie de le faire tomber de notre côté, mais pas envie. Ah, j'ai pas eu. Ah, il est tombé. C'est bien. Allez, faut pousser. Ouais, non, pas réussi.
J'ai pris un push. Je ne sais pas où avant qu'il me tape. J'ai dû prendre un impact par je sais pas qui. Je sais pas qui aurait pu me mettre ça, en vrai. Je sais pas. Et du coup, avant d'avoir la masse, je me suis fait plein de ces trucs. Stupide. Par contre, pourquoi Bastion ? Allez, go! Ah, pas go du coup. À l'aide. Il faudrait qu'on aille faire des trucs. We need to advance. Mais non. C'est faux ça. Faudrait push. Soldat est tout seul en haut. Voilà. Victoire. Bah parfait. Vous voyez comme quoi un ulti force aux gens à sortir et pousser sur le point. Genji aussi peut courir sur les murs. Bah il peut les grimper. Tout comme Genji. Du coup il court, il glisse. J'ai des rollers. Eux ils ont des pieds. Donc bon. Ça me rappelle le jeu de roller là, c'était quoi quand ça... Enfin, c'était quoi le truc avec les paniers là? C'était trop bien, ça va bientôt sortir je crois en plus, non? Roller Star... Non. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Là c'est Soldat qui vous a offert la game. Oui, le jeu d'Ubisoft là. Roller Champion, voilà. Merci Tommy. Grave bien ce jeu. Grave bien. Trop bien ces changements de scène là. Plaisir. Superstar. Ouais, normalement ça devrait pas tarder, ouais. Rialto. Ah, on y va avec deux off-tank. Un plaisir. Est-ce que là, donc, le outro avec Merci, ça passe? On a une healeuse mono. Et on a... Il y en a l'outro, quoi. Bleeding Age. Je vois pas du tout ce que c'est, Capitaine Melo. Trop bien ce clip sur avec vous trois sur la musique. Ouais, avec... ouais c'est vrai. Superstar. Moi j'avais pas de musique, hein. Sachez-le. Juste l'intelligence de la coordination, quoi. Qui m'habite. Comme d'habitude. Ah. Déjà deux en moins. Hein. Trop mal. Les amis, on va les faire tomber, hein, ces gens qui campent en haut là. Qu'est-ce qu'ils sont? Il n'y en a plus. C'est super. Ok.
Après shot. Attention, il y a un chien. Non, on n'arrivera pas. À tag. Ah. Aïe. À l'aide. Ok, nice. On lui vise avec son arc de mort, là. Ok, nice. What the fuck? Tu es là? Oh, Bob! Oh, Bob! Oh, Bobby! Putain, comment je réussis à me sauver? Insane. Un move de pro player. Ça passe pas. Je suis dans ton équipe. Hop. Oula, oula, oula. Il est passé de l'autre côté. Exodia, on est low plat. Enfin, peut-être pas en heal, mais on a fait nos enquêtes dans... On a terminé nos enquêtes en tank, on est passé low plat. Et DPS Strochu en trop de temps. Non, c'était 2k8, je crois, saison dernière. Non. Hop, le petit qui passe avec la grue, parfait. Il faut qu'il tombe, lui. La moule. Hop, ça c'est il. Hop. Ok, je l'ai caché. Ok, c'était pas mal. Nickel, Nessul. Ils étaient tous stack, donc bon. Ça peut permettre d'aller chercher les décals alors avec un peu plus d'HP, c'est pas mal. Bonjour, Jou. Salut, Delecrin, bonjour. Comment ça va? Comment vas-tu? Ça va aussi, tu vas pas nous faire ça tous les jours. Oh, y'a quand même des gens qui meurent. Ah, la Mei. Voilà. Ça fait peur. Quelle idée de jouer healer. Oh, il m'a détesté lui. Belle game. 3-11. Va falloir tenir. Petite pitch. Do. Pas mal, beau side. Défense. Ben, on garde Lucio, je pense. Yes, à boire. Bon, ça va sinon les viewers? Tout se passe bien? Bon, vous avez vu, hein, le niveau est peut-être pas haut, mais le streamer qui joue est pas con, donc ça fait plaisir. Santé. C'est quoi cette histoire de 1-3-2? Un tank, 3 DPS et 2 heals? J'ai vu ça sur Twitter. Je sais pas, jamais vu ça. Est-ce qu'il y a des gens d'autres gens qui ont vu ça?
Pas du tout, l'ami. Les devs font des tests en interne pour 3 DPS, un tank, 2 healers. Un seul tank. Mais ça tiendra jamais sous les coups du DPS, non? Pas c'est vraiment le bon bail. Hein. Pas c'est vraiment le bon bail. Je sais pas. Pas l'air d'être insane comme idée. Mais moi qui joue pas au jeu, je pense que ça pourrait détruire le jeu, en vrai. Ah. Bouya. Ok. Je pensais mettre Red Dog en DPS. Après, peut-être avoir un shot off tank, ça serait cool. Genre un main tank, un off tank, ça serait cool. Mais je pense qu'il faut vraiment un... Enfin, faut pas mettre 3 DPS. On va contrer ça là. Même s'il n'y avait pas vraiment besoin. Hop, toi, plus en LAN. C'est bien que je la commande ulti quand même à un moment, merde. Hop, à plus. J'adore. Hop. Ah merde, Lucky. Unlucky, mais unlucky. Ah, c'est à swap hein, pour prendre des trucs qui volent. Au revoir. Hop. Vous avez vu ce support ? Il va casser les tourelles pour les DPS et tanks. Hop, pas plus. Du coup ? Ouais, le Hanzo préférait mourir. Yes, moi aussi. Voilà, on push trop, hein. Ah, don't push too much. Ouais, don't push too much, du coup. Ouais. Mais non, pas une fille qui joue Torb. Non, elle a été compromise. Non, Ariel, non. Ouh, c'est la merde là. Ah, ils ont ulti aussi. Ah, j'ai bien fait d'ult, je pense. Et là, je pense qu'on a... On a tellement... C'est dommage, en vrai. Ils ont grid. Les gens grid. Les gens grid étaient punis. C'est normal. Le karma, hein. Regardez, les Allemands, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient trop forts. Ils ont juste grid. Ils ont tout perdu, après. Voilà. Aïe, 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 aïe. Je
Merde, je pouvais pas le push. Ouais. Ouais, je peux rien faire. J'étais tout seul là. Je voulais monter sur le balcon mais c'était... Still murd. Bien sûr je suis dû pour les exemples, je suis italien, what the fuck. Là gros. Et il le refait. Putain, Zarya elle est passée dessus quoi. Hop, petite pirouette. Et lui il saute partout, il lance des flèches aussi. Terrible. Allez vas-y merci, on y va. Merde. Il sait qui c'est qui joue là, la diva, il sait. Allez, on rentre dans le truc, toi. Au revoir. Aïe aïe. Dégage de là. Elle est où? Elle est où? Je comprends plus rien avec tous les murs qu'il y a dans cette map. Laisse-moi tranquille. Merde. Au revoir. Oh, je vais te défoncer. Putain. Dégage. Dadou, je fais mes placements comme il a été dit sur le chat. On va quand on reach. Trop mignon. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je mette des bons coéquipiers. Allez, bon équipier parce que. J'ai du hâte de jouer Shield en vrai. Eh bah nice. Superbe. Bien joué à nous. C'est la partie, oui. Donc du coup, on a fait quoi? On a fait... J'aime pas... On a perdu une fois. Est-ce qu'on a perdu deux fois? Est-ce que les amis, on a perdu deux fois en heal? Cette scène est trop bien. DRK, je crois que c'est la meilleure scène qu'on ait jamais faite. En plus, je regarde le chat, c'est énorme. Vous en pensez pas? Est-ce que j'ai les moyens de monter Diam? Je pense que non, du coup. En vrai, en solo, je pense qu'en solo, je peux faire des trucs vraiment stylés. Mais là, monter très vite, non. Je pense qu'il faut des mates pour monter. Ouais, je suis en 2-1. Je suis en 2-1 pour l'instant. Je pense qu'il faut énormément de sueur froide. Le jeu dépendait de ton skill perso, oui, malheureusement, il faut des mates. Ça dépend aussi de quel perso tu prévois de jouer. Après, ça dépend de tout, en fait. Hein. Parce que là, par exemple, Neuilla, tu vois, genre, si je joue solo, et que genre, je veux monter en tank, j'aime pas trop tank, donc il faudrait que j'offre tank. Mais si dans une game, je dis, dude, can I off tank? Ou, hola, Kanabi le Mourot, ils vont me dire, bah non, en fait, je viens de pick un off tank. Donc, je vais être obligé de jouer tank main. Donc, c'est un peu la difficulté. Sans froid, oui. Les armes froides aussi. Salut, Mister Molin, ça va très bien, et toi? Après, ouais, je pourrais. Enfin, je sais pas. En vrai, en heal,
Je pense que... Ouais, mais non, ça dépendra toujours des gens à qui je joue avec moi dans la game. Maintenant, je sais pas trop, mais sur les 5 saisons, j'ai main Ana, Rein, Genji et je vais up 3k5, 3k9 solo. Chapeau. Le shroud d'Overwatch, en fait. Non, c'est faux, ça. Ça, c'est faux, ça. Allez, retournons en game. Putain, c'est transition, gros. Donc là, il a pris Baptiste. Je dois prendre un heal plutôt mono-cible. Donc, ça serait soit du Ana, soit du Mercy. On est sur ruine. Qu'est-ce qui serait le mieux? Est-ce que ça serait bien de prendre Ana? Je pense que oui. Zenyatta? Zenyatta, ça me fait un peu peur en vrai. Je te conseille Mora, moi. Baptiste ou Ana, en gros. Bah, si je joue Baptiste, qu'est-ce qu'on doit prendre? Il prend Baptiste de son côté. Moira, j'ai vu que tu conseilles. Pas la meilleure map pour Ana. Ok. Bon, je fais comment je fais. Allez, c'est vrai que dans le couloir, il y a plein de murs. C'est peut-être pas le meilleur moment. Après, je pense au Reinhardt, surtout pour le... les gars. Ah putain, j'ai shift pourtant. J'ai le traceur au cul. Un joueur a quitté le match. Bye bye, guys. Bye bye. Hop, allez, Elon Musk. Bah, c'était une très bonne game. Très très bonne game. Très bon pick. Je pense que Moira était vraiment le pic de la décision, quoi. Le jeu, c'est bien avec Rein et Zarya. Ouais, je pense, hein. Mais là, le truc, c'est qu'il avait pris Baptiste. Donc, Baptiste, c'est plutôt un... Bah, un AE heal, on va dire. Un AE... Enfin, un healer de groupe. Donc, quand je dis mono, c'est plutôt du ciblage, du heal ciblage. C'est pour ça que j'étais plus tenté par une Mercy ou une Ana. Après, Ana, ce qui est bien, c'est qu'elle fait les deux. Pas de son en jeu. Si, il y en a du son en jeu. Mais oui, Moira, enfin, Moira, de toute façon, les gens font, jouent tout le temps avec Moira. Gros bravo à la personne qui a fait le nouveau design. Merci, c'est Shuki, du coup. Pour ça, on en profite. Problème d'Ana sur cette map, c'est la visibilité qu'elle n'est pas ouf pour elle. Ouais, ouais, non, mais ça, je comprends. J'ai compris ta réflexion sur ça. J'ai compris ta réflexion sur ça. Clairement. Après, tu vois, si elle a nano à un Reinhardt dans l'arène, là, du cap, enfin, c'est pas dégueu, en vrai. Le seul que... T'as pas de son du jeu là? Rosif? Bizarre ça. Moira, est-ce qu'on prendrait pas une Mercy du coup? Mercy Wana. Vous conseillez quoi de duo avec Moira? Pat. Non. Ne cesse jamais de te battre pour ce que tu crois juste. Wow. Faites attention à vous. C'est bas par rapport à Tawa, je me dis. Tout à l'heure, je pose ça, pas de soucis en fight. Le jeu est très bas. Ok, je vais augmenter le son. Is ok. Option. Son. C'est quoi, c'est ça hein. J'ai apply. Je crois qu'il faut apply dans ce jeu. Ouais, c'était tout derrière. Ouais, c'était derrière comme ça là. Ouais, je suis un buisson. C'est Fortnite.
Toi, je l'ai sauvé. Ah, je le sauverai pas, il y a le gros devant. Ok. Est-ce que ça va au niveau du son ou j'augmente un peu plus? 170, ça sera good. 70, ça sera good, je pense. Hop, bah, laisse replacer. Regardez comment ils se marrent et comment ils vont s'insulter d'ici 2 minutes. C'est ça qui est beau avec Overwatch. Ah dommage. Ah merde, il était derrière. Il était devant. Aïe aïe aïe. Regardez, attendez. Je l'avais dit hein. Peut-être moins que 2 minutes du coup. Nice. Il aura fallu moins de 2 minutes. Donc la clé de leurs ultis, ils sont passés. Comme. Oh. Ah, ils sont, mais. Vous jouez où? Nice, push in, no heals. Oula. Hop, moi je me casse. J'ai un joueur incompris. En bas. J'ai quand même pu Nono Reyna. Ça c'est bien. Même si je suis pas dans le fight pour heal, il y a 8 faits du fight. Ok, on a un mec en moins, c'est énorme. Regardez, ça va partir en insultant. Je l'avais dit. Non, je casse. Oh, why did he leave? Il a pu leave parce que... connexion internet. Parce que sa mère l'a débranché la box, parce qu'il a des examens. Ou peut-être que le bus qu'il attendait depuis 6 heures parce qu'il y avait la grève vient d'arriver. Et qu'il jouait sur téléphone. On va savoir, ouais. Jamais savoir ça. Pas te... Désolé, ça marche pas à travers. Ah dommage. Bon mais dommage hein. Salut Aston. Eh ouais, go pack go. Comment est-ce que... Salut Arian, ça va très bien, bonjour. Guys, we can still go.
Pas grand chose. Hein. Non. Ah le singe. Elle reviendra pas. On a perdu quoi? On a perdu un DPS en plus. Ouais. Ça va être dur là. Salut Solaire, bonjour. Ça va très bien. Bonjour, bonjour et toi? En vrai c'est horrible aussi hein. Gunji est free, du coup. La vraie valeur des gens se révèle dans l'adversaire. Ouf. Ouais, ça va être compliqué, hein. Ouais, c'est vrai que je devrais ça, mais contre quoi? Moira? Ça va aussi. Besoin de soins. Ouais, ils en ont bien profité en tout cas. Ils en ont bien profité. Bon, 6 secondes. Et mes X-Bro a quitté la partie. Ah, du coup, il y a un mec qui a quitté encore? Si jamais vous avez votre son Twitch. Ah yes. Bye guys. Est-ce que si je quitte, je perds des points là? Je pense pas, hein, on est d'accord. Ouais. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Les joies. Ouais, ça c'est horrible ça. Tu sais que si tout le monde quitte, les mecs en face gagnent pas de points? Ah ouais? Tu perds pas de points en placement? Attends, comment ça? Ah non, mais c'est, j'ai quand même une game perdue. Mais je perds pas de points? Enfin, je comprends pas. Et oui, tu perds des points si tu quittes. Je comprends pas. Donc le mieux aurait été de pas live ? Enfin, je comprends pas. Si tu attends pas le timer en plus de la défaite, tu perds des points. Ok, ok. Oui, oui, ça, j'avais compris. Oui. Oui, voilà, je perdais quand même. J'étais étonné par le truc, quoi. Ok, ok. Je vois. De toute façon, je pense qu'on va faire 3-2, peut-être pas. Dommage. Ah ben, on termine sur une map italienne. Rialto. Ah, c'est trop bien ce... Franchement, vous trouvez pas que c'est super beau, cette transition, là? Comme des classements d'Overwatch, tu prennes ton elo des saisons précédentes, t'ajoutes tout, t'as les 20 points en fonction de la victoire ou de la défaite. Non, mais oui, c'était sûr.
Ils ont un problème ou quoi? On est en attaque. Rialto. C'est la map série ça, c'est le couloir série non? Ou c'est... Je sais plus. Ouais. Hein. Non, je sais plus ce que c'est. Déjà c'est de l'autre côté. Non pas du tout. Non mais c'est celle qu'on a fait tout à l'heure en fait, Rialto. Mais oui, c'est le pont. Ah super, t'as pas de shield. Pas grave ça. De toute façon les amis, l'amusement passe avant tout. C'est grave amusé tout à l'heure. Regardez, les gens étaient sympas et puis d'un coup, hop, ils sont tous partis. Oui mais là pas de shield. Ah oui pas de shield bastion. Yes. Ah si on a un shield. Et là tu dis pourquoi j'ai survie. Essayer d'éviter le bastion de se poser. Hein. Ok. Ça nous appartient. Ça nous appartient. Ah, j'ai un loot en face quoi. Non, c'est la mode. Hop, charge dans ton mur. Allez, on avance. Hop. Hop, le petit speed contre le Reinhardt, t'as plus en l'air. Ah, sans se casse par contre. T'as rien pour. Hop, on repart là-bas. Saute. Ah j'ai pas pu. C'était juste avant. Dommage pour la para. Ok. Pas mal. Hop, parti, go pousser. En plus, j'ai l'ulti de l'autre con. Hop. Aïe, aïe, ça fait mal. Ok. Et là, les viveurs, il se passe quoi là? T'inquiétez pas, c'est des trucs de Lucho. Petite pêche. Hop, très bien. Nice.
J'ai bien le terrain, je franchement naze. Pura, en plus, tu fais le bon focus. Bah écoutez. Je vous l'ai dit, le niveau il est peut-être pas, mais le streamer qui joue au jeu est pas con. Je l'ai dit, hein. Red Rage, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le resub. 14e mois, on a eu aussi Clément Tech hein, qui s'est sub pour son 9e mois sur la Just TV. Merci à Crow aussi pour le 25e. Merci les amis pour votre soutien. Merci énormément. Est-ce que j'en ai oublié? Non, c'est bon. Alaz, on l'a dit tout à l'heure. Une réaction, Juice. Peut-être pas le bon call. Yes, yes, yes. Nice. Juste qui a trouvé son main. Lucho, ça fait depuis S5 que j'adore jouer ce perso, mais je joue pas beaucoup. Misty Gris, bienvenue, merci beaucoup pour ton soutien et ton abonnement. Merci. On peut mettre des petits joues sub dans le chat pour le remercier hein, d'être un nouveau abonné de la Juice TV, bien entendu. Top 500 Lucho, je pense pas en vrai. Hein. Mais yes. Ah, mais ça me fait plaisir de jouer ce perso en vrai, c'est cool. Lucho, c'est le fun. Je vais boire, en effet. Juste Goodyam en fait. Arrêtez les amis. Arrêtez, vous êtes trop mignons. Je pense que c'est la casquette. Oh mon dieu. J'espère que... Oh, il faut que Green Bay ait le Super Bowl. Et s'il gagne le Super Bowl, alors là, oh là là. Oh là là. Je peux juste améliorer sur le speed, c'est parfait. Yes. C'est vrai, c'est un peu plus speed, surtout si j'ai des... Ok. Ah. À la plage, du coup. Côté des nains. Ouais, ça va être chaud, Drag. Ouais, ça va être chaud de ouf. Ça va être un super match. On le regardera ensemble, si tu veux. Ça va être de la bombe, je pense. Ouais, ça sera dur. Bah on est à 14-3, les deux équipes, ça va être chaud. Ça va être un très beau match, je pense. Non, j'ai fait de la merde. Ouh. J'avance pas. Hein. Casser un peu le back d'un des DPS. Je vais attendre que le buff de Ana soit parti. Pas besoin d'ulti. Hop, écartez-vous. Allez, tuer un healer, ça serait cool. CD, remonter tout ça, ils sont 5 en plus, c'est cool. Allez, on DPS le shield. J'ai claqué mon ulti comme un con, mais... Ça va remonter. J'aurais dû garder pour contrer et pas offensif. Cette position, donc c'est une erreur de ma part. J'aurais pu le calquer là par exemple. Ah, dommage. Ok, ça passe, parfait. Super contre. C'est l'Azaria qui a ulti à côté en plus de ça. Donc ça rattrape un peu ma connerie là sur mon ulti.
Ouais, ça sert à rien là. Je suis avec le groupe. Cette distribution de têtes. Ah, cette bon call là. Voilà. Allez, on les repousse. On gagne du terrain. Tout le monde est haut. Elle dégage de là, comme ça c'est bombe. Il les a fail. Allez, il faut qu'il meure. On va courir sur les mecs. Voilà, ça c'est bon, je vais me replacer avec eux. Ok. Oui, pas. Hop, le heal qui part. Ok. Meurs. Ah, il a mis son heal. Ok, ça c'est good. Puis on l'écarte, on le tue. Et voilà! T'as rechargé ton ulti tellement vite parce que je mets des têtes! Nice! Un bon ulti de Baptiste là. Ok, il se l'est mis pour lui. Baptiste se l'est mis pour lui. Super ulti de la part de Baptiste, du coup. Yes. Bon, mais nice. Nice, nice, nice. Du coup, on est quoi? On est low gold. On est à 2, 4, 3. Terrible en vrai. Qu'est-ce qu'on fait? Il est 17h. Est-ce qu'on se fait une petite après-midi chill sur Overwatch? Ferme la drague. Pas vraiment chasser du monstre là, j'ai plus rien à chasser en vrai. Écoute ton cœur, Juice. Eh, mais moi j'ai envie d'écouter vos cœurs aussi. Ouais, je sais, pour la nouvelle map de PUBG. Et je pense qu'on ira faire un tour dessus pour voir un peu. Je sais même pas si elle n'est pas déjà sortie, Dragon, en vrai. On en a parlé à 64 joueurs, une 2x2, full bordel. Nos cœurs te disent d'écouter ton cœur. Baguette, Isaac. En vrai, on repartira, je pense. Après, c'est pareil, par exemple, Isaac, c'est cool. Mais c'est du run en continu, tu vois ce que je veux dire. IBF. Battlefield. Un petit cible, les amis, on va finir à 3h du mat. On fait un petit cible. Bon, au moins, on aura fait nos classés en tant qu'heal. On aura joué. Il y a no juice. Ah, ça, c'est autre chose. Je l'avais pas.
Salut Zelpi. J'avais pas celui-là. Mais le mien est légendaire. Le mien est déjà légendaire. Après, Mr. 999. Prince du palais. J'aime beaucoup le Bectracia, moi. Mais bon. On activera ça pour une prochaine fois. Ok, bon. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire ça et on peut... Yes. Alors, du coup, on s'est classé sur Overwatch. C'est cool. Pas vraiment aller sur World of Warcraft. Merci Zelfir, en tout cas, pour le reçu et le 13e mois sur Ajust TV. Merci pour ton soutien. Merci beaucoup.